Internet! 10 janvier 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Femme-la ta gueule, même si t'as nous dirait de la plotte! Mesdames et messieurs, c'est un gros mercredi! C'est un gros mercredi. Colin, je suis tellement content ce soir. J'ai avec moi une légende du monde du divertissement pour adultes. J'ai avec moi, mesdames et messieurs, Tangerine Dream qui est avec moi. Hey, salut Tangerine Dream, comment ça va? Ça va excellent, plus qu'excellent. J'en reviens pas. Tu amènes ta voix à un niveau aigu que je serais jamais capable d'atteindre. Jamais. Comment tu fais ça? T'as-tu tout le temps eu cette voix-là ou c'est une voix... Oui, oui. C'est une voix qui Non, ma voix est... C'est ma voix. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis ça, c'est une de mes plus grosses gênes, ma voix. Je me fais souvent niaiser. Ah ouais? Ah, crème, moi, je trouve que c'est un petit quelque chose quand même. Ouais, c'est un petit quelque chose, tu te rappelles puis tu fais des jokes dessus. je me fais niaiser constamment là-dessus, vraiment, puis ça m'affecte. Tant que ça, ça ouais, t'affecte. Ça m'affecte. Ça, c'est une affaire que je changerais sur moi, ça serait bien ma voix. Pourtant, c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on me reconnaît souvent quand Ouais, puis là, c'est rendu ta signature parce que là, t'as un podcast puis tout, là, tu sais. Ouais, j'ai un podcast, je suis aussi chroniqueuse à CKVL, puis c'est ça, tu sais, j'ai travaillé où ça, c'est quoi, dans le temps, tu sais. Oh, on va tout parler de ça. Je veux commencer. Du début, t'es né dans quel coin? Ben moi, je suis à Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent. Fait que t'es une fille de Montréal. Ben oui. Ouais, crime, c'est rare. Hein? Je connais beaucoup de monde à Montréal. Je connais beaucoup de monde qui vivent à Montréal, mais je dis tout le temps ça, c'est tout du monde qui arrive d'ailleurs. On dirait que... Ils ont réussi à fuir leur ville. Ouais, c'est ça. Ils ont pogné assez de sous pour s'acheter un char. C'est comme, oh my God, tu sais que je vais avoir de l'argent. C'est pour ça que les concessionnaires sont proches des autoroutes. Ils ont compris, eux autres. Ouais, je pense que oui. Je suis Drummondville tout de suite. C'est fini. T'es littéralement une légende du milieu du divertissement pour adultes. Comment t'as commencé? Comment t'es venu à travailler dans ce milieu-là? Oui, ouais, hein? C'est... C'était dans quelles années, ça? T'as commencé comment? Écoute, j'ai 47 ans, fait que, tu sais... OK. C'est ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, j'ai commencé, en fait, j'avais 17 ans, là, dans le milieu pour adultes, mais en tant que danseuse. OK. Puis... c'est souvent la porte d'entrée, hein? Ouais, pour, en tant que danseuse, mais moi, je suis pas une bonne danseuse. Fait que une danseuse aux tables, là, c'était pas mon bag. J'suis non? Pas, non. Si, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère, on dirait, avec le fait des fois quand je m'entends bien avec quelqu'un, tu sais. Fait que quand je dansais pour les clients, puis là, je m'entendais bien, j'ai de la difficulté à y dire, ben, OK, là, ça fait 2 heures qu'on jase. Ouais. Tu dois, tu sais, 300$. J'avais de la difficulté à faire ça. Ah, puis pourtant, ouais. Une danseuse... poser d'avoir pas de trouble avec ça, là. T'sais, moi, je me sentais tout le temps redevante comme, oh my God, t'es gentil, tu sais, on est amis. Ouais. Je vais te payer un verre, gentil. C'est ça. J'arrivais en dessous, fait que c'était pas une bonne idée. C'est pas... C'est ça, tu te payais des clients. C'est tu te payais des clients. Je te payais des amis. fait que t'as commencé comme danseuse. Oui. T'as-tu fait ça longtemps? Ben non, mais j'ai vu... J'ai vu des features. Ça, c'est dans. Ça, on parle de quelle année, admettons? Yeah, ben là, j'ai commencé à 17 ans, puis j'en ai 47, fait que là, 30 ans. Ça veut ans, dire 30 exact. Ans, si on remonte, c'est. C'est dans les années 80. Ça veut dire 94, 93, 94, 95. Yeah, c'est ça, ça fait longtemps. Puis il y avait. Ça, c'était pas mal l'introduction aussi des danses contacts ces années-là. Moi, j'ai été dans ce petit battle-là. Là. Ah ouais? Ouais, entre les danseuses, là. Il y a eu de la grosse chicane là, dans les milieux du monde de danseuses, les danseuses aux tables. Parce que moi, j'ai dansé aux tables. Ouais. Surtout. Ouais. Puis, tu sais, j'ai dansé à 10 un peu, mais pas tant. J'ai commencé à faire des spectacles. OK. Fait que
c'est les spectacles que je voulais faire. Les spectacles, que... ça, c'est des features, genre? Exact, ouais. C'est, on te fait venir toi avec ton poster. C'est ton poster qui est sur l'affiche. Puis là, ben, t'es comme le... T'es payé par le bar. T'es payé par le bar, puis c'était comme le clou de la soirée un peu. Exact. T'es okay. L'artiste invité. Fait que, t'sais, j'avais pas... Le contact direct, tu sais, j'avais pas à demander aux clients de me payer. J'étais plutôt payé par le bar. Fait que, tu sais, un contrat. OK. Je réglais ça avec le bar. C'était bien mieux. Je faisais ma job sur stage. J'étais bien avec ça. Puis, c'était ça qui me passionnait, faire des représentations. Puis, ça l'a bougé avec les années à l'animation parce qu'à la fin, je faisais un genre de game show sur scène. OK, OK. Fait que c'était de l'animation, c'était des spectacles d'environ 45 minutes. Puis j'amenais des gars sur scène, puis là, on faisait plein de niaiseries. Tu sais, plein de niaiseries parce que c'était dans le temps de Howard Stern qui, tu sais... Ouais, ouais, ouais. T'sais, ouais, exact, exact. Tu sais, Jackass. Fait ouais. Tu sais, on faisait des grosses niaiseries. OK, OK, wow, OK. Des grosses niaiseries. Des gros features, des... Ici, ça passerait pas, là, en ce moment, là. Ouais, ouais. T'as-tu des exemples? Ouais, ouais. Écoute, on monte, ils montent sur stage, les gars sur stage, puis là, tu sais, c'est un peu de l'impro, tu sais, parce que là, l'idée, c'était que les gars, c'est tous des participants, je leur donnais des pénis en plastique, puis là, on parlait de sexe, tu sais. OK. Puis là, le gagnant, il me baisait, bien, on faisait une parodie de films pornographiques sur scène. OK, OK. C'était ça. OK, show. OK. Mais lui, il utilisait la. Fallait que tu gagnes. Là, si tu gagnais, il pouvait prendre la prothèse, puis là, il pouvait ouais, mettons, péné. On faisait une parodie. Fait que lui, il avait un micro, moi, j'avais un micro, puis là, tu sais. OK, faisait OK. Comme une parodie. Exactement. Mais quand tu gagnais pas, on faisait une conséquence, là. T'sais. La conséquence, c'était jamais le fun. Tu sais. Fait que là, tu sais, on trempait le pénis dans le tabasco. De poche. On se faisait fumer avec ton anus. Écoute, on essayait de le gonfler. Mais Chris, faut ramener ça, tabarnak! Des idées, là, j'en avais. Ouais. C'est-tu toi qui mettais ça en scène? C'est-tu ben toi qui imaginais oui. tout ça? Ben oui. Ben oui. Fait que j'ai fait ça pendant longtemps. C'était super drôle. J'ai trippé, ben rêve, j'ai eu tellement de fun. Ah ouais, ça doit. Ben, écoute, des fois, je me roule à terre à rire, là. Des affaires qu'on a pu faire, là. Ouais. C'était fou. Un moment donné, j'ai fait une tournée avec une fille aussi, Ariana Sky. J'ai fait une tournée avec elle. Je disais, ah, tu sais, on fait une tournée. Ça va aller bon. Là, ça faisait longtemps que je tournais tout seul. Fait que là, j'ai dit, crème avec une fille, ça va pas être punché encore plus. Elle avait jamais animé. Fait que là, je l'ai amené à l'animation. Puis, écoute, on faisait faire plein d'affaires. Là. À un moment donné, mon beau-père travaille à l'hôpital. T'sais. Fait que là, je dis, écoute, peux-tu m'apporter des spéculums? T'sais? C'est quoi des spéculums? C'est-tu... Là, quand tu vas pour tabarnouche, l'affaire qui étire, là? Ouais, ouais. Ouais, il y a ça dans plein de films. Dans plein de films. De ce qu'on m'a dit! Ouais, ouais. Fait que là, moi, je décide d'utiliser ça. Puis là, je la revire de bord. Écoute, on met des drinks, un rêve. Des pailles, on met du spéculum, un rêve, des pailles. Ça, c'était quoi? C'était-tu dans boys. Son cul ou dans son... dans sa noune. Puis, écoute, on va prendre un drink. C'était fou. On fait des ballons. Écoute, on a fait des affaires, là. Et je lançais des balles de ping-pong. Je fumais dans le temps. Écoute, j'ai fait plein de choses. Puis ça, c'était bien drôle. Comme je te dis, c'était dans le temps de Jackass. Ouais, ouais. Ça passait bien. On avait bien du fun. On essayait toujours de dépasser les limites. C'était le moment. OK, ouais, OK, ouais, ouais. OK. Je pense que là, en ce moment, on peut... T'as fait ça de combien de temps? Mais j'ai fait des représentations pendant, mettons, un bon 17 ans à peu près de représentations. Mais de plein de sortes, là. Mais tu sais, parce que tu dis... C'est pas juste ça que j'ai fait là, dans l'industrie. Tu sais, j'ai été propriétaire de club de danseurs, j'ai été propriétaire de club de danseurs. Ah ouais, j'ai été aussi
t'sais, comme partenaire dans une compagnie de films. J'ai aussi été partenaire dans un complexe échangiste. Tabarnouche, attends, on va en parler. On va y aller. On va y aller étape par étape. Mes représentations, ça a fait beaucoup. T'sais, comme je dis, j'ai écrit pour Québec érotique. J'ai écrit pour Allopolis, Photopolis. Sacre enfin, c'est OK, OK. À c'est quoi? J'ai fait beaucoup de choses. Tu dis que tu penses que on pourrait plus faire ça, mais en même temps, le milieu du divertissement pour adultes est encore intact dans le sens que, tu sais, il y a encore, admettons, il y a encore ce qui serait considéré dans le mainstream media comme du racisme, mais c'est encore toléré dans le milieu du, dans le milieu de la porno, tu sais, admettons, des esclaves, ou bien, tu sais... Ouais, jusqu'à un certain point, il y a quand même des limitations, là. Tu sais, moi, comme je fais plus ça, là, tu sais, j'en fais plus, là, je suis plus dans l'industrie du sexe. J'en côtoie beaucoup des gens dans l'industrie du sexe. Ouais. J'ai voulu, à un moment donné, j'ai ouvert un OnlyFans qui est encore là, tu sais, je fais pas grand-chose dessus, là, mais c'était surtout pour mes invités du podcast. C'était l'idée, c'était le monde de Tangerine, donc je recevais des gens de plein de milieux et mon OnlyFans était pour justement les pousser plus loin, qui veut dire faire la même chose un peu comme je faisais sur scène dans la sexualité, mais dans tous les niveaux. Je veux dire que si je reçois un invité qui me dit « Bon, OK, moi, je fais telle affaire. Oui, montre-moi ça. » OK, OK. Fait que là, dans le OnlyFans, on allait regarder les talents cachés de nos invités. Ah! Oh! C'est ça, l'idée. Mais tu sais, écoute, c'est vraiment plus difficile que c'était. Il y a beaucoup plus de règles, beaucoup plus... Ouais, OnlyFans est quand même assez bien encadré, puis ils ont tellement été visés par... t'as été danseuse, t'as été animatrice, tout ça. Après ça, ça t'a mené où, là? On va y aller sur une timeline linéaire, là. Là, après ça, t'as été quoi, 17 ans? Ben, en fait, là, j'ai fait la première tournée You Could Be a Porn Star. Fait que j'ai eu une soirée. J'ai eu une idée, une soirée qui a été refaite là, plusieurs fois par la suite. Mais au Québec, j'ai été la première à faire ça. J'ai acheté une soirée à mon ex-chum et moi. Le père de mon fils, on est en train de faire un meeting. C'est bon, OK, brainstorm. Là, je dis, hey, ça serait-tu cool qu'on aille dans les bars et qu'on fasse, tu sais, comme. Parce que là, moi, je vendais des semaines, tu sais, dans tous les bars. OK. Là, j'ai dit, à la place de vendre des semaines, ça serait bien mieux que je vende des packages. T'sais, genre, tous les lundis, je vais à une telle place. Fait que là, je me garantis un 8 semaines, 12 semaines à même endroit. Puis si je fais ça à plusieurs endroits, ben, je vais avoir un 12 semaines de travail à la place d'y aller semaine par semaine, t'sais, tout le temps en train de checker. Là, j'ai juste besoin de vendre 5 jours, puis j'ai une semaine complète. T'sais. OK, OK. Tu sais, c'est bien. Puis j'ai 12 semaines de bouquets. Mais en fait, j'en ai vendu 6. Puis l'idée, c'était que les gens viennent me rencontrer dans les bars, puis m'amènent leur CV avec une photo pour faire un film avec moi. C'était ça le but. Fait que ça, c'était des gars et des filles. Des gars. Juste des gars. Ouais, c'était des gars. C'était une scène pour faire une scène avec moi. Justement, je l'ai reçu au podcast, à mon podcast aussi, ce gars-là. Le gagnant? Ouais, le gagnant, je l'ai reçu plusieurs années plus tard. Là. Puis, ouais, c'était ça le but. Fait que c'était venir me rencontrer, puis m'amener un CV, puis là, on choisissait des gars. Puis là, ensuite, on faisait une audition, puis il y avait plusieurs filles, 5, 6 filles qui étaient là, c'était des fluff girls, puis ils essayaient de... Puis il y en avait une qui était prête si les gars étaient capables d'avoir une érection. Mais, tu sais, c'est pas facile pour un gars d'avoir une érection. Même si c'est la faute d'une puis de l'autre, puis parce qu'elle parle mal, puis parce que elle est trop refaite, puis parce que fait que là, les gars, ils se trouvaient des excuses, quoi. C'est ça, c'était leurs excuses qu'ils disaient? Ouais, ben tu sais, honnêtement, là, les problèmes érectiles, là, c'est pas un problème de la femme. C'est un problème de l'homme, érectile. Fait que quand j'entends ça, des fois, là, quand je cote des minutes de mon podcast, puis il y a une fille du porn qui dit « Ouais, moi, ça m'arrive, tu sais, que les gars, ils ont pas de réaction. » Puis là, ils disent tout le temps « Ah oh, ouais, c'est parce qu'elle refait. Ah, oh, c'est parce qu'elle parle mal. Ah, oh, c'est parce que, tu sais, elle était mal installée, elle avait pas bu du bout, tu sais, elle puait de la bouche. Oh, » non! Non, 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 non.
parce que t'étais nerveux, mon petit gars. Ouais, c'est ça. C'est simple de même. T'étais nerveux, puis c'est correct, on comprend, sauf que dans le porn, on n'a pas le temps d'attendre pour ça. T'sais? Puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, les gars, ils se piquent. Ils utilisent beaucoup des Viagra, du Cialis. Ils se piquent, c'est ça, parce que c'est ça qu'on m'a dit. Moi, je connais le Viagra, je connais les pilules. Se piquer, ça, c'est quoi? Ils se piquent, tu te piques avec un stuff, c'est quoi? C'est du collagène? Celle-là, je ne l'ai pas vue. OK, j'ai pas vu. Mais dans mon OnlyFans, ça l'est là, sur le OnlyFans, le monde de Tangerine. Vous pouvez voir Rick Hard qui a utilisé. C'est un suppositoire qu'il met dans l'urètre. Oh! Ouais. OK. Il nous a tout montré ça parce que là, il m'a dit, moi, j'utilise un suppositoire que je vais mettre dans mon urètre. Là, je suis comme, oh, ouais, j'avais jamais vu ça. J'étais comme, ouais. Tu montres ça, Rick? Ouais, je veux tout savoir là-dessus, moi. C'est ça. Mais sur mon enfant, il est là. On se demandait voir si ça faisait mal ou quoi que ce soit, mais ça fait pas mal. OK. Puis il nous l'a montré. On a filmé ça. Puis après ça, on a testé son érection avec plein de trucs, là. Un galon de peinture. Un galon de peinture. Qu'est-ce que j'aime voir ce show-là? C'était ça l'idée du OnlyFans que j'avais. Mais c'est ça. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ces médicaments-là. Puis les gars n'étaient pas habitués de prendre du Viagra ou du Cialis. Non, parce que ça, c'est venu plus. C'est venu plus tard, là. Ouais. C'est venu plus tard. Puis même, c'était comme honteux. Quand les gars, ils ont commencé à en prendre, c'était comme. Ah ouais, toi tu prends ça, t'es pas vraiment un porn star. T'sais. Ouais, c'était comme l'équivalent, mettons, d'un athlète qui prend de la ouais, qui, des produits dopants. Des produits dopants, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment mal vu là-dessus. Puis, c'est ça. Fait que, là, on a testé 70 gars, les filles, une gang de filles, ont testé 70 gars. Puis sur les 70, il y en a 3 qui ont été capables d'avoir une érection. Fait que c'est eux autres qui ont passé comme agent. Sur 70, il y en a 3 qui ont été capables d'avoir une érection. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça te dit. Mais, fait que, tu sais, un gars qui pense que c'est facile, là. Tu sais, pour faire une parenthèse, c'est-tu plus facile pour une fille. Admettons, en termes de performance comme ça que pour un gars? Absolument, absolument. Ben oui, la fille, c'est bien plus facile. Ouais, un gars. Puis les gars, en plus, ils sont moins payés, en plus. Fait que oui, absolument, c'est plus facile pour les filles de faire du porno, c'est sûr. Ah ouais, hein? Ben oui. Hey, c'est 3 sur 70! Mais imagine comment les 3 devaient se sentir ultra puissants, Chris! Oui. Tu sais, quand t'en as 67 en arrière, qui se jouent après, puis qui sont pas capables d'arriver à rien, puis toi, le tien est encore bien dur. Ben, c'est les filles qui devaient être fâchées, là. T'sais, moi, j'étais pas dans les fluff girls, là. Ouais. J'étais pas dans les filles pour l'audition, là, mais les filles devaient être à bout de raide, là, parce que c'est pas ma belle fun, là. Ça, là. Non, parce que c'est insolent pour une fille. Hein? Ouais. Moi, au cours de ma courte carrière, tu sais, avec les partenaires que j'ai eus, les partenaires sexuels, tu sais, moi-même, des fois, ça m'arrivait que ça levait pas, tu sais, puis en plus, je fais de la haute pression, fait que, tu sais. C'est pire. Quand tu commences à y penser, ouais, tu sais, quand t'as un doute dans ta tête, c'est fini, là. Puis là, ben, il y a des filles qui disaient, qui prenaient comme une insulte. Puis là, j'étais là obligé de. Puis là, quand je m'expliquais, j'avais de l'air du gars qui se trouvait une excuse. Puis c'était encore pire. La fille était encore plus insultée. Puis là, je disais, ben ça non, c'est de ma jamais. Faute à moi. Ça m'arrive jamais. C'est encore pire quand tu dis ça à une fille. T'es comme, OK, c'est moi le problème. C'est quoi? Ça m'arrive jamais. Oh, mais fait que là, vous avez fait ça, cette affaire-là. C'était comme un casting de. Ouais. Un casting. J'avais acheté une annonce dans le Journal de Montréal. OK. Dans sa première page. Fait que j'avais divisé ça par les bars que j'avais vendu l'idée. Puis j'avais acheté la première page du Journal de Montréal, une grosse annonce. Fait que là, quand ça a passé la première journée, oublie ça, là. J'ai été booké non-stop sur toutes les émissions de télé qui existait, ah, sa ouais. Planète. Ah ouais, j'ai été là, comme médiatisé au bout. Puis là, par la suite, c'est là que j'ai été offert l'émission à c'est quoi? Les Vendredis Soirs Sexy. Puis j'ai travaillé, après ça, j'avais toujours ma chronique pour Québec érotique. J'étais aussi directrice
directrice artistique là-bas. Là. Que... Toi, puis comment qu'elle s'appelle à Québec, là, celle qui a les trucs. Cindy Cinnamon. Cindy Cinnamon. Vous étiez pas mal dans les premières. Tu sais, un nom qui circule de ce milieu-là, là, tu sais, c'était la première fois pas mal qu'on commençait à voir. Tu sais, il y a eu. Strawberry Delight, je crois, qui serait. Elle, dans les spectacles, était vraiment. Tu sais, il y avait Lady Papillon, une affaire de même. Il y en avait une danseuse. Avant ça. Ouais, dans les années 70. Cheryl Lips, qui avait l'émission de radio à C'est quoi avant moi. OK. Elle a fait du porno. Cindy Cinnamon, elle faisait pas de porno. Elle était exhibitionniste. OK, OK. Ouais. Puis elle avait un sex shop et un complexe échangiste à Québec. OK. Ouais. Oh. Que j'ai même fait. Elle a eu une compagnie de production de films que j'ai fait un film aussi pour elle. Ah, année. Ouais. Puis j'ai déjà fait un casting dans son complexe. Parce que du plus loin que je me souvienne, c'est du moins, Tangerine Dream et tu l'as nommé Cindy Cinnamon, c'est les premiers noms que j'ai entendus, admettons, qui circulaient dans les mainstream, tu sais, qui avaient fait parler. Cindy, c'était à cause d'un calendrier qui avait fait scandale, des pompiers. Dans les pompiers, ouais, c'est ça. Elle avait fait des photos nues dans une caserne. Puis toi, c'était avec ce casting-là qui avait parlé de toi dans les médias. Oui, oui, c'est comme ça que ça... C'est sûr, tu sais, j'avais fait déjà beaucoup de médias pareils, là, des journaux ouais. dans ma vie parce que je faisais des spectacles, etc. Mais ça a fait comme... Ouais, ça a mis la cerise sur le Sunday. Là. Ah ouais, hein? Ouais, ça a vraiment été un bon coup. Ouais, c'était... Puis après ça, là, il y a eu l'histoire du casting. Après ça, t'as continué dans les bars comme ça? Ouais, ça, ben, là, ça a grossi? Quand ça... Écoute, moi, ça m'a fait vraiment de la peine de perdre mon émission. J'ai été... De perdre ton émission à C'est quoi? Ouais. OK, parallèle à ça, t'avais ton émission à C'est quoi? Ouais, quand j'ai... je faisais des shows, etc. Puis, tu sais, après le casting, ça n'a pas duré super longtemps. Après ça, j'ai continué avec la compagnie de films. J'avais ma chronique dans le Québec érotique. J'avais aussi mon émission radio. Puis là, à un moment donné, la station a changé. Comme juste changé de... De propriétaire? De façon de faire, tu sais. Fait qu'ils ont tout... Ouais, tout... ils ont comme tout changé, la station, la façon de faire, tu sais. Ah ouais, ça, c'est comme à Cool avant, tu sais. J'étais à Cool avant, j'étais chroniqueuse dans une émission à Cool FM avant d'être à C'est quoi. Puis eux autres aussi, ils ont tout changé, c'est devenu le 98.5. Ouais. Puis C'est quoi a comme changé complètement, fait qu'ils ont aboli mon émission. Puis là, moi, écoute, je suis complètement déstabilisé. J'aimais tellement ça être à la radio. Puis en plus, c'était dans le temps... Howard Stern, fait qu'on faisait plein de niaiseries à la radio. Ouais. C'était super le fun. Fait que là, de fil en aiguille, les opportunités arrivent. Puis là, je me fais offrir un bar de danseuse. Genre, hey, ça te tente-tu d'ouvrir ça? Moi, j'ai pas mon permis. Toute la quête, j'ai perdu mon permis. Puis faudrait que je m'en débarrasse. Fait que là, on a passé un bon moment à avoir le permis. À rénover. Fait que t'as repris un bar de danseuse. Il y a quelqu'un qui a permis son permis de boisson. Exact. Puis toi, tu t'as récupéré le bar pour. Puis, OK. Fait que j'ai rénové, j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai passé. Fais juste aligner ton micro. Ouais, excuse-moi. J'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de ce place-là pour la rendre exactement ce que j'avais envie. J'avais fait un lounge érotique. Fait que. OK. C'était comme. J'avais des DJ aux tables tournantes. OK. Puis les filles avaient des pagettes, puis il y avait pas, tu sais, comme des DJ la prochaine, tu sais, je sais que t'as déjà travaillé dans un club de danseurs. Ouais, ouais. Tu sais, il y avait pas de DJ comme toi là. Et la prochaine, ça veut dire Mercedes. Ouais, ouais. Ça existait pas. Fait que les filles étaient sur scène, puis ils faisaient leur temps quand l'autre montait, ils descendaient, puis ils étaient pagés quand c'était à eux. Puis dans les loges où les filles dansaient, il y avait des timers. Fait que la fille avait son timer. Fait que quand elle rentrait, elle avait pas besoin d'attendre la prochaine tune parce que c'était de la musique à continu. Fait qu'elle apaisait sur le timer. Puis là, ça comptait le nombre de tunes. Fait que là, il y avait plus de chicane entre le client et la danseuse. On avait le nombre de tunes. Okay. Ça comptait exactement 3 minutes et demie. Puis, quand c'était terminé, ça flashait. Fait que là, elle disait, t'en veux-tu un autre ou non? Fait que le compteur était là. Fait que j'avais fait. Mais c'est qui contrôlait la musique dans ce temps-là? C'était les... J'avais un DJ au tableau. OK, c'était un DJ. Puis ouais, lui... j'avais,
j'avais des artistes invités, là, des DJ. Fait que lui à 3 minutes et demie, il changeait de tonne, pif-paf. Non. Non, même pas? C'était un timer comme un taxi. Fait que si, admettons, la tonne dure 7 minutes, au bout de 3 minutes et demie, la fille, admettons, elle pouvait arrêter, c'est ça? Ben, c'était un timer. Quand elle rentrait, elle se mettait à danser, fait qu'elle pesait dessus. Fait que quoi que ce soit la tune qui joue, on s'en fout. OK. Fait que là, ça calculait 3 minutes et demie. Quand le 3 minutes et demie était terminé, ça flashait. OK. Fait que là, elle disait, tu fais-tu une autre tune? OK. OK. Puis là, elle repaisait dessus, là, ça calculait 2. Ah, je comprends. Fait que ça, au table. Fait que la musique, on s'en foutait. Fait que, tu sais, parce que moi, je me rappelais, dans le temps que je dansais, j'aimais pas ça quand je rentrais dans une loge, puis je commençais à danser pour le client. Il y avait toujours. Il était pas. Tu sais, comme quand la toune n'était pas terminée, il me touchait tout le temps. Tu sais, il me touchait avant que. Puis là, je disais, ouais, mais la toune n'est pas. Tu sais, pas commencée. Tu sais, on a pas encore commencé la danse. Ouais, ouais, ouais. Tu payes pas encore pour celle-là. La toune n'est pas terminée. On commence à la prochaine. Fait que là, t'es pogné pour attendre que la toune elle soit terminée. Puis là, t'es pogné pour regarder le gars dans les yeux. Puis le gars, là, ça s'impatiente. C'est ça. Ouais, ouais. Tandis que là, peu importe, t'arrives dans le milieu d'une toune, tu pars le timer. Puis si la toune, elle change pendant ce temps-là, pas grave. C'est ça. OK, je comprends. Mais c'était du house music, là. OK. J'avais des DJ house, là. OK. Mostly, là. OK, OK. Ouais. Fait que. C'est ça. J'avais fait ça vraiment à mon image. C'était super cool. J'appelais ça le triple X, l'ange érotique. Puis c'est ça. Ça, c'était à Montréal? Oui, c'était à Montréal, entre Saint-Marc et Saint-Mathieu. OK. C'est ça. OK. Fait que, puis là, après ça, j'ai ouvert un club dans le village gay. Parce que là, j'étais habitué d'être en tournée, tu sais. Fait que là, je m'ennuyais un peu. J'étais toujours en même place. Fait que là, j'ai dit, ah, faut que j'ouvre un autre bar. Fait que ça te permettait de changer de place une fois de temps en ouais, temps. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas mes meilleures décisions, là. Dans le village gay. Non, mais dans le village, c'est super cool, là. C'est super le fun. Ta clientèle, mais l'affaire, c'est qu'on était, j'étais dans une bâtisse. Ben, dans le village gay, j'avais des danseurs nus, là. C'était pas des danseurs. Ah, ouais, c'est. OK, ouais, non, mais. OK, je pensais que toi, tu dansais. Je pensais que. Ben non, j'étais propriétaire des deux bars. OK, je comprends. Je comprends mieux. C'est ça. Mais, tu sais, vu que j'avais comme. J'étais comme fâché d'avoir perdu mon émission. Comme j'étais triste, puis c'était comme ma genre de revanche. Okay. Tellement que j'ai acheté une discothèque en direct dans la station compétitrice. Comme j'ai acheté une discothèque en direct à Énergie. Je dis, ouais, vous voulez pas me passer à radio? Ben, c'est correct. Mon bar va passer à radio à l'autre station. Ah, ouais, c'est vrai, dans ce temps-là, le soir, souvent, tu syntonisais la musique d'un bar, admettons, d'une discothèque. C'est ça. C'était le DJ qui. Oui, je me souviens, c'était bien dans la mode, ça. Ouais, c'est ouais. Ça. Fait que là, moi, j'avais acheté une discothèque en direct de mon bar. Wow! Wow! Astifi! Fait que ça veut dire que t'as fait. Parce que moi, la revanche, c'est le succès pour moi. Fait que la façon que je m'en fous, c'est que. Ouais. Quand que je triste à propos de quelque chose, j'essaie de réussir, mais finalement, je me suis planté parce que j'ai pas eu de succès avec ça. Non, ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Ben, j'avais pas assez d'argent. C'est ce que j'allais dire, parce que là, tu sais, acheter des bars comme ça, Colin, fallait que tu commences quand même assez à l'aise, là, Oui, exact. Ben, j'ai mon meilleur ami qui est ingénieur électronique qui a investi avec moi. Fait que ça, puis écoute, j'ai perdu de l'argent, c'est encore mon meilleur ami. Fait que. Ah ouais, oh my god. Notre relation est forte. Ouais, tu le gardes, ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai toujours été honnête là-dedans, puis tu sais, j'ai travaillé super fort. Fait que. Mais tu sais, un moment donné. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire. Ouais, ouais. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis, tu sais, aussi beaucoup de bad luck. Là. OK. Tu sais, c'est pas. Tu sais, t'as des bad luck des fois, ça arrive. Puis, quand c'est des bad luck de 5, 6 000, c'est moins le fun. Là. Ouais, OK. Puis, admettons, ça pourrait être quoi une bad luck? Là? Ben, t'as-tu genre, un exemple? T'achètes une belle annonce dans le journal. Puis parce que dans le temps, tu sais, à cette heure, c'est pas pire, tu sais, tu vas mettre 200$ en publicité sur Facebook, puis, tu sais, sur TikTok, tu sais, tu vas en mettre sur X, whatever, tu sais, tu mets de la promotion comme ça, ça va te coûter quoi? Nous autres, dans le temps, il fallait passer des flyers, fait que tu sais, tu passes un petit gars, passes des flyers, tu payes les flyers, t'achètes une annonce dans le journal de Montréal, ça te coûte 1500, tu sais. Ah, OK. Puis là, après ça, t'as un dégât d'eau, tu sais. Oh non! Oh non! C'est un exemple, tu sais. Ouais.
OK. C'est ça, ouais. OK. C'est plein d'affaires de même, là. Non-stop, là. Mais, tu sais, c'est des 5-6 000, là, toutes les fois. Puis. Tu devais être une des rares, parce que dans ces époques-là, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui le portrait de ce milieu-là, mais dans les bars de danseuses, dans ce temps-là, c'était un milieu géré par des hommes. Là. Tu devais être une des rares qui gérait ça, une des rares femmes. Oublie ça, là. Moi, j'ai un méchant caractère, par exemple. Ah oui? Ah oui? T'as pas l'air de t'en laisser imposer. Non, hein? non. Pas tout. Puis à cet âge-là, j'étais encore moins diplomate. Ah oui? Ouais, ouais. Ah oui? Fait que t'avais de la. Fait que ouais, t'avais ouais, du bagou. J'étais encore moins diplomate. Mais, tu sais, ça jouait pour moi parce que les filles, ils aimaient ça venir travailler avec nous autres, tu sais. Comme je disais, les filles aimaient ça travailler pour moi. Ouais. Je connaissais leur vie, je connaissais. Ouais, ouais. Il devait sentir un petit peu plus. Il devait s'identifier un petit peu plus à toi. Il devait sentir un petit peu plus en terrain sécuritaire avec toi, j'imagine, tu sais. Ben oui, clairement. Mais sauf que, tu sais, je veux dire. Aussi, les filles. Écoute, c'était tu, là, des danseuses, là. Tu le sais, là. Oui. Mais à Montréal, c'est pire parce que, tu sais, toi, ton bar, t'es là. Ouais. Mais elle fait deux coins de rue, puis il y a un autre bar, là. Fait qu'une journée, elle décide qu'elle fait pas d'argent, elle décide de partir. Fait que là, tu te retrouves avec une fille de moins. Ouais, mais elle amène ses chums. Ah, OK. T'sais. Fait que là, tu te retrouves avec t'es dans le quatre couloir. Filles de moins. Non, personne sort. Non. Oh, non. Ouais. Non. Vous allez passer par-dessus mon corps si vous allez sortir. Je te dis, ça marchera pas. Non, c'est l'enfer parce que là, tu sais, une journée, t'as des clients. Mais là, t'as pas de danseuse. Puis là, une journée, t'as des danseuses, t'as pas de clients. Puis là, si t'as des danseuses, t'as pas de clients, les danseuses vont dans les autres bars et disent, ben là, je suis allé au Triple A, c'est pas de monde. Ah, OK. Ouais. Ouais. Ça devait être aussi de la micro-gestion. Tu sais, tout le monde a ses petits. Tout le monde a ses petits bobos. Tout le monde. Tu sais, je me souviens, moi, à mon époque, en tout cas, c'était quasiment comme une garderie, tu sais, dans le sens que les filles, chacune avait ses petits problèmes personnels à elle. Il y en a là-dedans qui avaient des peines d'amour avec des clients. Il y en a d'autres qui se dopaient, qui finissaient saoul. Ouais, mais tu sais, c'est de la gestion. N'importe quelle entreprise où c'est que c'est personnel comme ça. C'est quand même personnel, là. Les gens, ils se mettent tout nus, là. Ouais, ouais, c'est t'sais, ça. Je veux dire, c'est un milieu qui est personnel, là. Que, mais tu sais, c'est sûr que... C'est intense en émotion, oui, aussi. C'est bien intense exactement. En émotion. Exactement. Puis quand tu es à l'écoute de tes filles, c'est sûr, ou tes gars, parce que les danseurs, c'est beaucoup aussi. Ouais. Tiens, les danseurs. Ouais. Hop. Ouais. Tu m'entends-tu? Ouais, ouais. Ça a craché le piton. Puis je me souviens aussi qu'à l'époque, ce qui m'avait surpris, c'est que les danseuses, ils vivaient... Au jour le jour. Ouais, ben, tu sais, ils sortaient de leur appartement, mettons, puis c'était direct au bar, puis du bar, ils retournaient dans leur appartement. C'était pas des filles qui. À Rouen, en tout cas, là, tu sais, quand moi j'étais. Tu sais, les filles restaient dans leur appartement, ils rentraient au bar, puis après ça, ils passaient du bar à l'appartement. Il y avait pas nécessairement de vie sociale. C'était pas des filles qui allaient magasiner tant que ça. Parce que ça, c'est des filles qui allaient à Rouen pour danser, là. Ouais, ouais, c'est des ça. Des filles de l'extérieur qui vont à Rouen pour danser. Qui vont se cacher. Ils veulent pas que les parents tombent là-dessus ouais, ou bien que la famille. Tu vas faire un coup d'argent, là. T'sais. Ouais, exact. Mais, tu sais, moi, en tournée, c'était ça, là. Tu sais, je veux dire, j'allais dans la ville, je faisais mes shows, puis c'est that's tout, it. Là. That's it, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi, c'était différent, parce que moi, j'ai été en tournée quand même 4 ans avec mon enfant, là, puis ma gardienne, Attends prof. Un peu, fait que t'avais, il y avait quel âge? Là, mon fils, maintenant, il a 26. OK, il y a 26. J'ai été quand même 4 ans, là, en tournée avec mon fils, fait que c'était différent, tu sais. Vraiment. Ah, puis, ouais. Et ça devait être spécial, par exemple, tu sais? C'était vraiment cool. Ouais. Fait que t'amenais ton fils, ben t'avais une gardienne, toi, t'allais ouais, faire tes shows. Prof. J'ai fait l'école à la maison avec mes deux enfants, là, jusqu'en deuxième année avec ma fille que j'ai en ce moment, puis mon fils, troisième année. Ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 10 ans. 10 ans? Ouais. OK. Wow, OK. Elle s'appelle Clémentine. Clémentine? Ah, voyons donc, c'est donc ben beau. Wow. Puis ton c'est quoi le prénom de ton fils? Canuel? Canuel Loriot, K-A-N-U-E-L. Il fait de la musique. Fait que vous allez regarder sur Spotify, il fait de la musique. C'est lui qui fait le thème, justement, de mon émission. Ah oui, hein, wow!
Le monde de Tangerine, c'est lui qui a sa voix qui chante? C'est lui qui chante. Celui qui dit le monde de Tangerine. Ouais, ah, c'est wow. Lui qui a composé, c'est lui qui chante, il fait toutes mes tunes. J'ai plusieurs émissions. Puis c'est ça, celle du monde de Tangerine est quand même assez catchy. Là. Ouais. T'as-tu. Tu sais, quand que tu étais dans ce milieu-là, puis que là, t'es tombée enceinte, tu t'es-tu dit, va falloir que je prépare cet enfant-là? Va falloir, tu sais, que. C'est quoi? Y avait-tu de la préparation à faire? Y avait-tu. T'as-tu essayé de le protéger de certaines affaires? Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça bien drôle, là, parce que les gens, des fois, ils cachent la réalité, mais tu sais, quand la réalité est si simple que t'es bien dans ce que tu fais, puis. T'sais, je veux dire, c'est sûr, là, tu l'assis pas là à regarder ton film ou à regarder tes shows, mais quand il est au courant, il est prêt à affronter les autres. Si ton enfant est pas au courant, ben là, c'est là que, t'sais, qu'il va se faire niaiser, là. T'sais, il va l'apprendre par quelqu'un d'autre, ça sera pas cool. Ouais. Ça, c'est sûr. Pas rien que ça, c'est que moi, j'ai toujours réussi à me démarquer, à faire autre chose aussi, puis à montrer un talent. T'sais, puis j'ai tout le temps été capable de tenir maison. T'sais, fait que je me levais le matin, puis t'sais, mettre des sous de côté, faire mes trucs, là. Fait que je vois pas en ce que ça pourrait être un problème. Puis il s'est-tu déjà fait, admettons, agacer à l'école? Là, t'sais? Du tout. Du tout. Jamais. Il y a pas personne qui est à, qui... Pantoute. Ben, il l'a toujours dit, je suis qui? Fait que jamais fait agacer, pas du tout. Ma fille, la même chose, là. Elle passe des cartes, là. Ah, écoutez le podcast. Wow! Ouais, ouais. Wow! Toujours, ils ont toujours été fiers de moi. C'est-tu difficile de. Parce que, c'est un milieu-là, évidemment, c'est le milieu des bars, c'est le milieu de la nuit, tout ça. Est-ce que c'est difficile de rester loin de la drogue, de rester loin des dépendances, de pas tomber là-dedans, de pas tomber ben dans moi, le vice. Moi, la cocaïne, j'ai dans ma famille, il y a eu une histoire de cocaïne. Fait que moi, j'ai jamais touché à cocaïne. Une histoire? Une mauvaise histoire là, avec mon demi-frère, puis tu sais, dans ma famille, ça a fait un drame. OK, OK. Fait que, puis quand t'étais plus jeune, drame, avant que tu fasses... Oui, exact. Quand j'étais très jeune, ça a rendu mon père très triste okay. pendant des années. Fait que moi, j'ai eu une peur bleue et j'ai jusqu'à maintenant, j'ai jamais consommé une ligne de cocaïne de ma vie. J'ai peur de tout ça au bout. Fais juste allumer ton micro. Ah, oh, excuse-moi. Moi, mes micros sont... Je peux Achète-toi des micros, tu prends tout. Ouais, là. C'est ça. J'aurais dû te mettre un micro-casque. fait que t'as réussi à te tenir loin de la drogue, à te tenir loin de ces affaires-là, de dépendance, de pas tomber dans boisson trop non plus. Ben là, tu sais, un moment donné, c'est parce que... Mais t'as si dû faire le faire party. Quelque chose. Oui, j'ai capable de le faire, là. T'inquiète, je suis pas une sainte nitouche, là. Je suis capable de le faire. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais moi, le party, c'est en plus, pas à place. Fait que ça, là, c'est ça. Toi, comment tu dis ça? C'est en plus et... Pas à place. Pas à place. Ça veut dire que tu as des responsabilités, tu as des choses à faire, tu les fais. Si la journée que tu n'es pas capable de faire tes responsabilités parce que tu as fait ta party, tu es allé trop loin, il faut que tu arrêtes. Okay. C'est de même. Puis ça, c'est ça que je dis à mes enfants, toujours. Le party, c'est en plus, pas à place. Fait que si le lendemain, tu as une job à faire, faut que tu te lèves, faut que tu sois là, sois alerte, faut que tu fasses... T'as un engagement. Il faut que tu sois ton engagement. La journée que t'arrives en retard à ton engagement, que t'es pas à tes affaires, ben je m'excuse, mais c'est terminé. Il y a des moments pour faire le party, puis c'est bien le fun de faire le party. Tu prends le moment, puis t'en profites avec tes amis. Tu le fais le party. Je suis capable, là. Ouais. Je suis capable en masse. Par contre, tu te rends pas nulle part. Quand que t'es pas capable de revenir à toi-même, là, tu sais. Je veux dire, c'est simple, puis j'ai pas envie de ça, j'aspire à plus. Ouais. C'est tout. Fait que là, t'as eu des chroniques à la radio, t'as eu des bars, tout ça. Puis après ça, là, on n'a pas encore parlé. C'est-tu pas mal dans ces années-là que t'es tombé après ça à faire des films? J'ai fait des films, mais tu sais, les films, ça à travers la carrière. Puis c'est pas ma plus grosse réussite, là, je vais t'avouer, là. Non, c'est pas ma plus grosse réussite. Moi, j'aime la live. Fait que. Fait que t'es plus. T'es pas tant une porn star, t'es plus une. T'étais plus comme une.
je sais pas, comment qu'on pourrait dire ça, une queen du divertissement pour adultes, I guess. Ouais, plus je suis comme une animatrice. Une animatrice, ouais. C'est ça. Ouais. OK. Puis j'ai essayé de mystifier la sexualité à travers l'humour. Pas mal ça. Ah ouais, fait que tu te servais beaucoup de l'humour pour. Oui. C'est souvent ça, hein. C'est ça qui décoince un peu, puis c'est ça qui est le fun aussi. C'est le titre de mélanger ça avec l'humour. Puis, Ben oui. Ben oui. C'est quand tu ris un peu. Ouais. C'est ça, tu sais. Dans ce temps-là, là, j'ai vieilli un peu, là. Fait que. Ma vision de comment on parle de la sexualité, tout le kit a vraiment changé. Mais tu sais, dans ce temps-là, on tombait pas mal en vulgarité, là, puis on trouvait ça bien drôle. Ouais, là, ouais. C'était les années où il fallait les défoncer, les barrières, là aussi, là, tu sais. Ouais. Ouais, tu sais, c'était ça qui était le fun, là, tu sais. Ouais, ouais, on allait loin, là, dans nos mots, là. Mm. C'était fort, là. on a parlé de tes enfants. Ça les a déjà rendus curieux? Est-ce qu'ils t'ont déjà posé des questions là-dessus? Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi exactement que tu fais? Tu sais, eux autres, ils s'en foutent. Pouf, c'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui dérange. Non, parce que j'ai tout le temps, tu sais, comme je suis toujours ouverte sur tout. Fait que c'est une question à me poser, je vais la répondre. Je suis pas gênée, là. Là, ta fille, elle a 10 ans, mais ton gars, lui, il a eu son émancipation sexuelle, tout ça. Est-ce que, tu sais, puis sachant que maman travaille dans ce milieu-là, est-ce qu'il a fait appel à toi, tu sais, pour. Ben là, je donnais des films, comme ça, il vendait à l'école, ça, il faisait de l'argent de poche. Ben oui, c'est un master du ping-pong en plus. Ah oui? Ton fils? Ouais, mais c'est pas quelque chose. La sexualité, c'est pas un sujet plus. C'est pas un sujet tabou chez nous. C'est sûr que, tu sais, mon fils, il se garde une petite gêne. Mais, tu sais. C'est arrivé là qu'on discute de ces trucs à lui là, tu sais, puis okay. Que bon, OK, genre j'ai, tu sais, il est arrivé ça, j'ai pas été correct, j'aurais peut-être dû, t'sais. OK, des trucs à trois, les enfants, tu sais, des affaires que ouais, ça se fait pas, tu sais, c'est tu sais parce que moi dans ma vie, je veux dire, avec mon conjoint, moi je suis avec mon conjoint, ça fait 19 ans. OK. Puis avec le père de mon fils, j'étais avec 9 ans. Okay, fait que okay. Je suis assez stable dans ma vie là. OK. Puis tu sais, mon conjoint, tu sais, nous autres on est des échangistes, on a tout le temps été, tu sais, fait okay. Que puis mes enfants ils savent là, tu sais, je veux dire, on peut pas gêner de ça là. Fait que c'est ça, un moment donné t'as aussi eu, c'est ça, tu disais un truc d'échangiste de même? Ouais. Ouais, j'ai été partenaire là-dedans. Partenaire là-dedans. Comment ça se passe ça? C'était quoi? C'était-tu genre un peu comme l'orage? C'était... Ouais, ben tu sais, c'était dans le temps des spas, plus c'était ouvert comme 24 heures. Fait que, OK, les spas ouais, dans le quartier gay. Ben, ouais, un peu, mais c'était sur Papineau. Puis écoute, c'est ouvert 24 heures, là. Fait que on a travaillé un sale bout. C'était quelque chose. Puis il y avait des live sex shows, on faisait des live sex shows, mon conjoint et moi, des fois on faisait des live sex shows trois fois. En journée. Ça, c'est quoi? C'est que vous baisiez puis les gens vous regardaient? Ouais, okay. Genre ça, on faisait ça pour attirer le monde. Écoute, il y avait des soirées boukaki, des soirées... plein de petites soirées thématiques. Mais en plus, c'est ouvert 24 heures. Fait que ça a été une... Tu sais, ça a été un moment de ma vie plutôt difficile avec la famille, là. Parce que... Ouais, parce que là, ouais. Faut que t'aies du bon staff pour ouais. Gérer ça la nuit. En plus, mon fils, il avait commencé l'école, fait que c'était plus difficile avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, là, j'étais en ville, puis c'était ouvert 24 heures à cet endroit-là. Puis mon fils, ben je voulais pas qu'il aille à l'école en ville, bien sûr. Je voulais qu'il soit en retrait, là. Okay. Fait que, tu sais, puis là, je venais me séparer en plus. Puis là, tu sais, une nouvelle relation, là, c'est comme... tu sais, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai eu de l'aide de ma famille. Ça, c'est merveilleux. J'ai eu l'aide de ma famille pour passer à travers cette étape-là. Mais à un moment donné, là, ça allait plus à mon goût avec les partenaires. Fait que j'ai pris mon bar. Puis j'ai recommencé à faire des shows.
qui est ma passion. OK. Ouais. OK. Des shows, à animer des shows comme tu faisais dans les bars. Puis ça, t'as fait ça jusqu'en. Mettons, t'as fait des shows jusqu'en quelle année, tu disais? Ben en fait, quand j'ai eu ma petite, j'avais arrêté avant. C'est comme, bien sûr, un petit peu avant, j'avais pris des cours en décoration. Puis là, j'avais commencé à faire ça. Là, c'est pas fait pour moi encore. Je me faisais des amis, là, tu sais, de la misère à charger parce que là, tu sais, je m'entends bien avec la madame. Puis là, tu sais, c'est encore le même problème que la, comme de, quand je dansais. C'est la même affaire. Wow, j'avais de la difficulté avec ça. Fait que, tu sais, j'avais trop de facilité à créer un lien, tu sais, avec la clientèle. Fait que, après ça, c'était difficile pour moi d'arriver avec un prix, tu sais. Fait que, anyway. Puis là, je suis enceinte, j'ai la petite, j'ai recommencé à faire un show. Puis là, j'ai fait un show. Puis là, j'ai de la difficulté à me faire payer. Tu sais, puis le pire là-dedans, j'ai fait un show, tu sais, je suis pas sûr je vais en refaire encore. Puis là, bon, OK, là, j'ai fait une émission de télé. Fait que là, bon, j'avais animé pour l'émission de TV. Puis là, après ça, le bar, il me dit, hey, tu peux-tu remplacer une fille? Tu sais, elle peut pas être là. Ça tente-tu de faire les shows? Je dis, OK, tu sais. Mm. Puis là, moi, j'avais donné mon tarif. Mais là, il voulait donner le tarif de la fille, tu sais. Mais c'est comme pas le même tarif, là. Tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. c'est ouais, comme, ouais, si. C'est ouais. Pas la même carrière, c'est pas la même tarif. Donc, tu sais, écoute, si tu veux acheter un Pepsi ou tu veux acheter un RC Cola, c'est pas le même prix. Non, ben, exactement. C'est ça. J'aime la comparaison. c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends que tu pensais peut-être payer ça, mais pourtant, on a parlé, puis on a discuté avant, puis, tu sais, je t'ai envoyé les documents. Là, je n'étais pas capable de me faire payer mon prix. Fait que là, j'ai dit, là, je suis tanné. Parce que ça arrivait. Ça arrivait, là. Tu sais, dans les clubs, là, ça arrivait. Ouais. Ça arrivait. Mais tu sais, je pense que t'es fait comme moi. Moi, je suis pareil. J'ai jamais demandé d'augmentation, même que je travaillais pour un gars, puis il me réduisait mon salaire. J'ai plus d'argent pour te payer. Ah, ben, paye-moi moins. Fait que là, je me retrouvais à crise, je gagnais moins, puis tandis que l'inflation, elle montait, puis mon loyer montait, puis je me retrouvais tellement plus serré. J'ai jamais été bon avec ces affaires-là, mettons, de dire, ah, ben là, je vaux tant, puis là, ben, je vais augmenter mes prix. Fait que... Mais dans les shows, moi, j'avais pas de problème, là. Comme avec l'intermédiaire du club, j'étais bien correct avec ça, là. Tu sais, j'étais bien correct. Ouais, parce qu'il te servait un petit peu comme d'agent. Ouais, ben, j'arrivais avec, j'avais mon contrat, j'avais mes prix, puis c'était ça. Tu sais, écoute, si tu veux pas m'avoir, c'est correct. Il y en a plein d'autres filles qui font des shows, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je t'offre un show, c'est ça, puis j'étais vraiment strong là-dessus. Mais cette fois-là, j'ai fait une faveur à un propriétaire de bar que je connaissais, puis après ça, il a essayé de me négocier. Puis là, j'ai dit, là, c'est la dernière fois que je me bats. Parce que, tu sais, ça arrivait que j'arrivais pour me faire payer. Puis là, dans mon contrat, il est écrit que moi, je buvais Red Bull sans sucre puis des bouteilles d'eau. Tu sais? Puis j'avais open bar aussi. En cas que je veux le payer un verre à un client, mettons, qui a monté sur stage ou quoi que ce soit, pendant que je travaillais, je bois pas. Fait que, tu sais, c'était Red Bull sans sucre, bouteille d'eau. Là, j'arrivais à la fin de la semaine, genre, bon, OK, t'as pris tant de Red Bull, ton open bar, c'est juste sur l'alcool. Tu sais, c'est comme... Sérieux, t'aurais pu me le dire si je serais allé m'acheter une caisse, là. T'sais, c'est pas cool. Fait que fallait que je me batte des fois pour des petites niaiseries de même. Des petites niaiseries comme ça à la fin de la semaine. C'était souvent ça pendant des années. T'sais, à toutes les fois, c'était difficile arriver avec le contrat puis te faire prendre au sérieux en étant une fille dans l'industrie du sexe, là. Ouais, c'est ça en plus, t'sais. Ouais. Puis là, quand tu mets ton pied à terre, ben là. T'as pas un sale caractère, t'es une bitch. T'as-tu déjà eu à faire face à des gars, admettons, soit dans les films, soit dans les bars, qui étaient trop entreprenants, qui étaient. Me semble que c'est bien, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est des grosses émotions, puis tout est intense, là, tu sais, les gars sont gorgés, ils ont tout le sang dans le pénis. Fait que, tu sais, ça doit être des fois dur à gérer, les gars, les clients. Ben, t'es-tu déjà fait agresser dans ce milieu-là? Moi, même dans ma vie privée, je me suis jamais fait agresser. Je pense pas que je suis le type...
le type victime. Là. Je pense pas que j'aspire à ça. Là. Peut-être. Mais t'as une personnalité qui. Ouais, c'est ça, ouais. T'as une personnalité qui en impose. Fait que. Tu sais, t'as pas de l'air de. Tu sais. Ouais, c'est peut-être. C'est peut-être ça qui. Je sais pas, mais ça m'est. Tu sais, une fois, pis ça, des fois, je le raconte avec beaucoup d'émotion parce que j'étais sur scène, pis là, le gars, tu sais, ça arrivait souvent, les gars, ils sont pris par le fait qu'ils sont sous, sont sur scène, pis là, tu sais, leurs amis sont là, fait qu'ils veulent faire le show, tu sais. Ah, ils ouais. veulent faire le show. Puis là, il se met à me ramasser avec une grosse tape. Tu sais, une tape. Une peclard. Une grosse tape, ses fesses. Fait que là, je le pogne avec mes ongles. Puis je le regarde dans les yeux. Puis je suis hyper transparente. Là, fait que, mm-hmm. Toutes mes émotions passent par mes yeux. Là. T'es capable de tout voir. Qu'est-ce que je pense par mes yeux là, en une seconde. Fait que là, je le ramasse, là, puis je le regarde, puis là, je suis comme, non, tu sais. Puis là, il continue, tu sais, puis là, il y a le micro, puis là, tau! Je le ramasse encore, je t'avertis, arrête ça. Mais là, la troisième tape, il me l'a donné vraiment plus forte, puis j'ai perdu complètement contrôle de moi-même, là. Comme, c'était la première fois que je perdais contrôle de mon personnage sur scène. Puis je me suis reviré de bord, puis là, j'allais pogner à la gorge. Puis j'étais fâché. Ah, ouais. Puis là, je me suis reviré de bord, puis là, j'ai vu que j'étais comme sur stage, puis je me suis mis à pleurer. Fait que, simple de même. Wow. Parce que j'avais complètement sorti de mon personnage, puis je m'avais laissé emporter par l'émotion. C'est parce que lui, il essayait de prendre le contrôle du show. Là. Il est devant ses chums. Ouais. Là. Il veut pas être le gars qui se fait humilier, qui se fait runner par l'animatrice, puis tout. Là. Fait que là, il essaie de prendre le contrôle c'est du show. Là. Ben, avec un peu de boisson, puis une gang de gars, puis un peu de cul, là, qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est ça. Ça déroge, mais d'habitude, ça déroge. C'est correct, tu sais. Et plein de gars qui font des niaiseries. Là. Des fois, on avait des poupées gonflables, des choses comme ça. Pète la poupée gonflable, fait des... Je comprends, mais là, quand frapper une fois, d'habitude, ça comprend, mais le rendu à la troisième fois, là, puis en plus, tu sais, avec encore plus d'émotion, là, tu sais. Moi, je me souviens, il y avait quand je faisais la musique, je vois devant moi, il y a la danseuse, il y avait des isoloirs, puis il y a un gars qui s'en va voir la danseuse, il dit, comment ça fonctionne? Fait que là, elle dit, tu peux toucher partout, sauf là où il y a du linge. Fait que, tu sais, elle avait, admettons, elle enlevait sa brassière, fait qu'il pouvait pogner les seins, mais elle gardait, admettons, ses bobettes. Fait que ça, c'est la zone, tu touches pas là où est-ce qu'il y a du linge, tu sais. Fait que là, il dit, ouais, bon, on verra. Là, elle dit, non, elle dit, je t'avertis, tu touches pas là où est-ce qu'il y a du linge. Puis il dit, ouais, c'est ça, ouais, on verra. Fait que je savais d'emblée que lui, il avait dans la tête d'aller là où est-ce qu'il y avait du linge. Il voulait pas, il pognait la noune ou. Fait que. Puis là, ben, j'ai tout de suite avisé le doorman. J'ai dit, watch sa cabine-là parce que. Puis le doorman, il a pas compris ce que j'ai dit. Fait que. Puis à un moment donné, elle s'est mise à crier. Puis le doorman, somehow, je pense qu'il était dans le frigidaire en arrière. Fait que là, c'est moi qui est allé, puis qui a poigné le gars par le collet, qui l'a reculé. Puis là, ben, j'avais hâte que le doorman arrive parce que le gars t'a jacké. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme ça, je le savais, je le voyais dans ses yeux que ce gars-là, il allait faire ça. Là. J'ai fait, ah, quel hostie de marde, là. J'ai fait, ah, Chris, que des fois, ça me fait chier, là. Quand t'es danseuse, là, c'est l'enfer. Je te dis, là, quand que je rentrais dans la loge, dans la cabine, avec le client, puis justement, il fallait attendre la prochaine toune. Tu sais, des fois, tu rentres, la toune vient de commencer, tu sais. Puis là, t'arrives pour danser, puis là, le gars, il dit, ah oh, non, on attend la prochaine, tu sais. Puis là, moi, avec un grand cœur, ah, oh, OK. Ouais. Puis là, je m'installe, je m'assitue. Puis là, il commence à me toucher, tu sais. Là, c'est parce que, excuse-moi. Non, c'est ça, là, on commence pas. Ouais, on commence c'est la prochaine. Ça. Ouais. Il continue à grabber. C'est pour ça que j'avais fait les timers dans le bar. Parce que j'étais tanné de ça. Ben oui. J'étais vraiment tanné d'attendre, premièrement, je perds mon temps, j'attends 3 minutes pour la prochaine tune. Puis en plus, tu me grabs gratis, là. Ouais. Je veux dire, t'es qui, ce gars, là, tu sais, pour penser que c'est correct, tu sais. Puis je t'avertis, là, à la pétition, puis tu continues. C'est totalement un manque de respect. Puis les filles, là, il faut qu'ils vivent ça.
constamment. Tu sais, moi, sur le stage, j'avais le contrôle de mon show, là. Tu sais, je veux dire, simple de même. Puis le gars, tu sais, je leur faisais faire des choses aux gars, puis tu sais, c'est de l'impro, puis travailler dans leur tête, tu sais, dire, écoute, faut que tu, t'sais, fais-le, ça va être drôle, tu vas être un king, tu sais. Ouais. Parce que si tu le fais pas, ben, tu vas te faire bouer, tu sais. Ouais. T'es mieux de go with the flow, faire rire les gens, mais en plus que moins. Fait que, tu sais, j'avais le contrôle de tout ça. Mais quand j'étais dans la loge, tu sais, oui, t'as un certain contrôle, mais pas vraiment, là. Tu sais, je veux dire, c'est lui qui a l'argent. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose qu'être escorte ou faire des films. Tu sais, c'est pas la même affaire. Tu sais, le monde, des fois, il confond ça. Ah, OK, ouais, t'as fait des films, t'as dû être escorte. Moi, j'ai jamais été escorte. Puis je sais pas comment ça doit être escorte, parce que la personne que... T'sais, la personne qui a le plaisir a l'argent. T'sais, ou... Ouais. Tandis que là, quand tu fais un film, ben la personne qui te paye, c'est le producteur. Fait que là, c'est deux personnes qui travaillent. T'sais, c'est sûr que là, ça change avec les années. Avec T'en as fait combien de films? À peu près 25, 26, quelque chose de même. Là. OK. T'aimais-tu ça faire des films? Pas tant. Ben, j'haïssais pas ça, là. Ouais. T'sais, c'est toujours le fun, là, du sexe, là. C'est ouais. Toujours du fun. C'est toujours le fun. Puis, t'sais, c'est un milieu cool, pareil. Mais c'est pas comme le show. T'sais. Le show, toi, c'est la scène. T'es vraiment. Ouais, c'est ouais. Ça. Toi, c'est parce que t'aimais ça. Ouais, c'est ça. La foule, tu l'aimes. T'es une femme de spectacle, une femme de scène. OK. Ouais. Moi, j'aime le l'instantané. J'aime le. Fait que c'est un peu pour ça que ton podcast, tu le fais devant public, puis tout aussi, le kit, là, c'est ouais. La scène que t'aimes. Là. Ouais, j'en fais devant public, dont le prochain aussi, qui est le 25 janvier au Poutine Bar Laval. J'en ai un autre aussi le 20 février au Brasserie. OK. Puis, tu sais, j'adore devant public, là, j'aime vraiment ça, je feed de ça. Mais mon projet de podcast, c'est... Je rencontre les gens en studio avant, puis après ça, j'ai match ensemble. OK. Fait que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Je rencontre quelqu'un, comme tu fais là, une entrevue à peu près 3 heures. OK. Je les rencontre, tu sais, on passe en détail sur leur vie, qu'est-ce qu'ils connaissent. Mais ça, c'est enregistré ou c'est une pré-entrevue? Ben, là, j'enregistre comme toi. Là. OK. Fait que ça, puis après ça, quand tu vas dans les bars, là, tu matches tes meilleurs invités, c'est ça? Oui, je match les invités. OK, je comprends. Souvent des idées contraires. OK. Fait que ça crée des débats. Ouais. OK. Ouais. C'est ça. Ça crée des débats où, tu sais, on parle d'un sujet controversé, puis. C'est ça. Fait que ça fait des flamèches un peu. Ça dépend. Là. J'ai aussi des parties. Comme là, l'autre fois, on a fait un party de Noël. Il y a plein d'invités qui sont venus. Ouais. Puis ça fonctionne-tu bien? T'es-tu contente de tes chiffres? Parce que ça a grossi quand même assez vite. Là. Du moins, si je ne sais pas au niveau de tes chiffres, tes views tout ça, mais du moins, ton compte Instagram, tous tes réseaux sociaux ont grimpé vite. Là. J'ai regardé ça aller, puis ça va vite. Ben merci. Merci. On vient décourager. Tu sais comme moi. Ouais. C'est tough. Ouais, c'est tough. C'est tough. C'est tough, surtout que tu arrives à une période. Moi, je suis arrivé à une période. Moi, j'ai été dans les débuts. Fait que j'ai été bien, bien chanceux parce que je suis pas une vedette. J'ai pas, admettons, été la vedette d'un milieu quelconque, admettons, comme toi, comme Mike. Fait que moi, ce qui a fait que j'ai été connu, c'est que c'est on the long run. J'ai été dans les premiers à le faire. Mais si j'arrivais aujourd'hui. Je ne survivrais pas. Je serais pas capable de décoller puis me refaire une crowd comme j'ai aujourd'hui parce que il y a tellement d'offres. Y en a-tu? Tout le monde a un podcast. Y en a-tu? Tout le monde a un podcast. C'est incroyable comment il y en a. Ouais. C'est incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, de plus en plus, à tous les jours, j'en vois puis je reçois des invités qui me disaient puis qu'est-ce que tu sais, c'est quoi tes projets futurs? Ah, je me pars un podcast. Écoute, c'est. Toutes mes invités, tout. Pensent toutes que c'est facile, premièrement. Ouais. T'sais, tout le monde pense que c'est facile, là, que t'sais, t'as un micro chez vous, puis that's it, là. Ouais. T'sais, je veux dire, ils pensent pas, là, qu'il faut que t'en fasses ta promotion, puis t'sais, il faut que tu mettes ça sur les plateformes, faut que t'aies des gens qui montent ça, faut que. Ouais, parce que toi, tu t'es entouré, là. Je veux dire, c'est pas artisanal comme la personne tout seul. Toi, t'as des techniciens, ouais. T'as des gens qui s'occupent des réseaux sociaux, puis toute la patate.
patente, là. Tu t'es entouré, là. Go big or go home. Ouais, ouais. Tu réussis-tu à faire assez d'argent pour pouvoir te payer ce workflow-là? Écoute, c'est un projet. C'est un projet. Je peux pas dire en ce moment que, tu sais, que je fais beaucoup d'argent, là. Je peux pas dire ça. Ça va, ça grandit, je le vois grandir. Mais, tu sais, les gens, faut vraiment qu'ils aident les créateurs québécois, là. Tu sais, il faut qu'ils investissent, faut qu'ils donnent une petite contribution, faut qu'ils aident, tu sais, ouais, à leurs créateurs qui aiment, parce que c'est ça qui fait qu'on grandit. Moi, c'est sûr, les prestations devant public aident beaucoup. Ça l'aide, c'est sûr. C'est payant, ça? Puis avec, c'est quoi, c'est ouais, les billets qui sont payants? Mais tu sais, j'ai investi beaucoup mon argent là-dedans, là. Tu sais, j'y crois vraiment à mon projet. Puis je me dis, écoute, si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Puis ça change, c'est en mouvement tout le temps, parce que je regarde toujours ce que je fais, puis j'essaie de trouver ma touche à moi, mon petit piquant à moi pour sortir des autres. Mais ça, c'est en le faisant, là. Ouais, c'est ça. Sans le faisant. Parce que ouais, si j'attends chez nous. Ce que j'aime de ton podcast, parce que, tu sais, j'en ai écouté quelques épisodes, puis je regarde, tu sais, je vois passer tous tes invités, tout ça. T'as de l'air comme moi. Ben, un, tu me parles beaucoup de Howard Stern. Chaque tu sais, c'est quelqu'un, une personne qui t'a beaucoup influencé. Moi aussi. Puis en plus, ben, comme lui, on dirait que c'est comme tu es en train de te créer une petite famille dans ton podcast, tu sais. Oui. C'est souvent, tu sais, c'est ça, tu ramènes des invités, t'es match ensemble. Tu sais, c'est pas tout le temps des gens différents, puis c'est pas... tu sais, c'est des gens qui reviennent, puis t'as des... tu sais, fait que... C'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est comme le monde de Tangerine. Fait qu'on avait l'idée, c'est que les gens viennent en premier, on les rencontre. Fait qu'on fait une entrevue complète. C'est qu'on rencontre cette personne-là, one-on-one. Vraiment, moi, j'aime beaucoup le podcast de Bill Maher. Tu sais? Ouais. Ouais, j'aime bien le feel. Tu sais, vraiment, lounge, tu sais, un petit salon. Ouais. C'est comme... Ouais, j'aimais bien ça. Je trouvais que c'était one-on-one. L'approche de Oprah. Ouais, puis sa façon de parler aussi est pas détachée. Il est familier avec son... Puis il gêne... ouais, c'est ça. Il est familier avec son invité. Puis en plus, il gêne pas pour le challenger, tu sais. Ça peut partir un débat entre lui puis... Ben, il y a des invités avec qui je parle de... Tu sais, je l'ai connu parce que c'est souvent des gens que j'ai connus durant ma carrière, durant ma vie, là, sur différents niveaux. Des fois, c'est un infirmière que j'ai rencontré, que j'ai vraiment aimé. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Un quêteux dans la rue que j'ai trouvé vraiment trippant. Son histoire était cool. J'ai vraiment de tout. Là. Du quêteux au millionnaire. Tu parles de Danick? Oh, pas juste Danick. J'ai eu Yannick aussi. J'ai eu Carlos. Carlos qui est vraiment un podcast à écouter. Ah ouais? Je veux dire, ce gars-là, c'est un quêteux qui a perdu ses jambes dans un broyeur à déchets. Il est joyeux là. Ouais, il a une joie de vivre incroyable, puis il adore quêter. Ton podcast me fait aimer Danick. Je l'aimais pas parce que je trouvais ça insipide, son contenu sur TikTok. C'est okay. Tout le temps, tu sais. Abonnez-vous, on est capable d'aller chercher le top. Allez, on tapote. Puis je trouvais ça insipide. Il faisait ça, mettons, pendant 15 minutes pour à peu près 2 minutes de guitare. Puis ça me choquait. Je me disais, ben voyons que le monde regarde ça puis suive ça. Je le trouvais vide, mais à ton podcast, là, j'ai trouvé la vraie profondeur de ce gars-là. Il y a du contenu, il en a vécu des affaires. Il racontait ouais. des affaires de prison. Tu sais, c'est un gars qui l'a, ben, qui l'a, fait, qui l'a eu dur. À 11 ans, il a trouvé son père mort dans le bain, là. Ouais. Imagine-toi le choc. Puis moi, quand je l'ai interviewé, ce gars-là, ça faisait 3 semaines qu'il était dans la rue. Il avait lâché sa job pour vivre de sa passion. Puis il jouait à la musique dans le métro. Ça faisait 3 semaines quand on l'a eu au podcast. Fait que là, à cette heure, c'est une vedette TikTok, là. Ouais. Genre, il fait vraiment parler. Toutes les fois je mets une vidéo de Danick, là, écoute les commentaires. Là. Ils sont bien négatifs? Ouais, il y a bien du monde qui déteste, là. Autant comme la Marie-Maxime, là, que il y a bien du monde qui déteste Marie-Maxime. Pourtant, Marie-Maxime est juste Marie-Maxime, là. Ouais. Mais c'est autant... une femme avec du caractère. Ouais, mais il y a du monde comme. Soit que tu l'aimes vraiment, comme les gens l'aiment vraiment, vraiment beaucoup, puis à défendre,
ou il y a trash total. C'est ça. Elle reste pas indifférent. Laisse personne indifférent. C'est quand même spécial. Là. Marie-Maxime est spéciale, puis son histoire est belle aussi. Tout le monde a une histoire. Quand tu prends le temps de parler avec les gens, ouais. tu découvres la personne. Fait que ça, c'était l'idée du podcast au début. Puis, tu sais, comme je disais, des fois, j'amène du monde, ou comme qui je pourrais parler. J'avais travaillé avec un gars sur Pornstar Academy, puis Andrew du 2 Return. OK. Parce que moi, j'ai animé Pornstar Academy. Ouais, on va en parler de ça. T'en as fait d'autres trucs de casting. Le Pornstar Academy, c'en était un. Oui, mais moi, j'ai juste animé. J'étais animatrice. Okay. Puis Andrew, qui est le danseur du 2 Return, qui a été danseur et gérant du 2 Return, qui a dansé jusqu'à 48 ans, je pense. OK, wow. Lui, je l'ai rencontré, entre autres, puis on a travaillé ensemble à Pornstar Academy. Si je l'avais vu tellement de fois au 2-8-1, puis tu sais, c'est un gars assez connu. Quand je l'ai amené au studio, puis j'ai fait son entrevue, je pense qu'on n'a même pas parlé de ça. Parce qu'il y a une vision de la vie qui est complètement différente de la majorité des gens. Tu sais, je veux dire, il est détaché de la façon que les gens pensent, puis il y a une vision objective sans émotion. C'est incroyable comment il est différent. Pis on a passé 3 heures à parler de toute autre chose que notre rencontre ou son travail, tu sais. Ah ouais. Puis ça arrive des fois que les gens viennent au podcast puis on parle de totalement autre chose que leur travail, c'est de leur cheminement, puis c'est des fois c'est juste des visions de vie. C'est ça. Mais l'idée c'est de rencontrer les gens puis après ça de les mettre dans différentes émissions, comme j'ai une émission qui s'appelle Confidence Musclée. Ou c'est qu'on s'entraîne ensemble. Fait que je m'entraîne avec des gens qui s'entraînent pas nécessairement. Mais bon. OK, fait que t'as pas juste le monde de Tangerine. T'as pas juste ton podcast de talk show. T'as d'autres affaires parallèles à ça. J'ai une autre émission qui s'appelle Bleu Nuit. Où c'est qu'on écoute des films pornographiques ensemble en pyjama. Puis on les commente. C'est donc bien drôle. Puis tout ça, c'est quoi? C'est sur ton... Tu mets ça où? Sur OnlyFans? La Bleu Nuit est sur OnlyFans, mais les autres émissions, on peut les voir sur YouTube? Sur YouTube ou le Patreon, bien sûr. OK. T'es-tu contente de tes chiffres? Ça a l'air de quoi? Mettons un épisode de ton podcast sur YouTube. T'as-tu des pas pires vues? Ouais. Sur YouTube, j'ai 17 000 vues, 14 000 vues, des trucs comme ça. Là. Par épisode? Ouais. Wow, c'est bon ça, ouais, c'est excellent même. Ça. Ouais, quand même. Wow, c'est excellent ça. Ouais, c'est tough. Fait que tu monétises, j'imagine, tu monétises avec Patreon, avec les publicités de YouTube. Ouais, exact. Okay. Le Patreon est quand même une bonne source d'aide. Fait que si vous voulez m'aider, ben ouais. aider... les créateurs d'ici, puis rencontrer des gens du Québec, parce que honnêtement, je fais le tour des gens du Québec là, que je trouve intéressant. Ouais. Fait que vous voulez découvrir des gens du Québec, ben aider les créateurs comme moi, parce que moi, je m'autofinance. Bien sûr, les sponsors sont bienvenus. Là j'ai pas... C'est drôle, moi, j'ai sponsorisé moi-même ainsi que la compagnie de mon conjoint. Fait que pour le moment, c'est juste nous autres qui investissons là-dedans. Là. Il y a une compagnie de... De peinture. De peinture, OK. Oui. Peintre en bâtiment. Fait que c'est ça. Puis on était comme, bon, nous autres, on investit là-dedans, puis on veut pas avoir un paquet de copes promo pour tout le monde. Là. Ça me tente pas de passer mon temps à dire achète ça, tu vas avoir 15%. Là. Mais pourtant, tu pourrais, parce que Eros et compagnie sont en train de commanditer tout le monde. Puis ben il me semble, ils devraient te commanditer toi. Ouais, ils pourraient. As-tu déjà contacté? Non, t'es drette comme moi. Moi, je suis pire que toi dans le sens que moi, c'est tout abstrait pour moi. Je fais même pas l'effort de les contacter. Puis je sais que si je les contactais, mettons Eros et compagnie ou
tout ce qu'on voit là, tu sais, le ouais Salvatore, puis tu sais, je sais que si je les contacterais, j'en aurais au moins un qui me commanditerait, mais je fais même pas l'effort, je suis comme, puis après ça je me plains, que je fais pas une scène, puis que mon show rapporte pas, mais Colin, c'est un peu de ma faute, tu sais, j'ai pas cette fibre là de pilleur, je suis pas quelqu'un de pilleur, tu sais. Ouais, ben moi je trouvais juste pas que c'était le moment encore, tu sais là je commence à être prête là. OK. Là je suis prête. Tu voulais mettre les bases de tes affaires. Parce que moi j'ai recommencé de zéro, là. Tu sais, tu dis, ah ouais, moi j'avais pas comme toi, j'étais pas connu, tout le kit. Moi, quand j'ai recommencé, là, j'étais rendu à zéro. Je faisais zéro réseaux sociaux. J'avais complètement lâché la business. J'étais à zéro abonné. J'avais même pas de Facebook. Wow! Pour te dire, là. Wow! Fait que là, 2 ans, là, j'ai commencé de zéro pin-bar. Pas de TikTok, pas d'Instagram. Zéro. Wow! Fait que ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Vraiment beaucoup de travail. Puis, tu sais, le monde, quand ils disent « Ah, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils font rien, là. Excusez-moi, là, mais wow! Ils en font plus que moi, souvent. Puis moi, j'en passe du temps là à faire des choses. Puis j'y regarde des fois 3, 4, 5 heures de live, je suis comme « My God, c'est comme intense! » Ouais, c'est intense, là, tu sais, je vais en faire un peu des lives, mais tu sais, je suis pas très habile là-dedans, je me trouve un peu nonon à parler à un écran, tu sais, comme, tu sais... Ouais. Tu fais-tu ça, toi? Des lives, admettons, tout seul, là, un peu comme les... Oui, j'en fais, j'aime ça. Tu fais... Ouais, parce que tu passes, c'est juste des conversations que tu as avec ta chatroom. Ta chatroom te connaît, il y a des gens qui se rajoutent, puis tu te déjeunes. À un moment donné, c'est comme si tu avais une conversation avec du monde. Puis moi, j'aime bien ça. Ouais. Trippe pas. je déteste pas ça, mais tu sais, je trouve que ça va vite. Ouais, il y a ça, par exemple. C'est ça, je trouve que ça va vite. Ouais, parce que si quelqu'un te pose une question, tu y réponds, puis après ça, il y a quelqu'un qui te pose une autre question qui te fait changer complètement de sujet. Fait que c'est pas linéaire, puis souvent, admettons, entretenir une conversation ou garder un sujet, c'est plus difficile. Mais sinon, j'aime ça juste pour la proximité. Je le fais de façon sporadique, puis c'est pas officiel. Tu sais, comme je fais tout le temps un pre-show, quand tu sais, comme quand t'es arrivé, j'étais en pre-show, ben là, les gens, on jase, puis. Ouais, j'aimerais aimer ça, savoir qu'est-ce qu'ils disaient. Puis là, je vais revenir un petit peu à tes années. Tu sais, on était rendu à ton histoire. T'avais un truc de casting. Ça t'es-tu déjà arrivé de voir, parce que t'en as un petit peu, j'imagine, en étant animatrice comme ça, t'as un petit peu coaché des filles ou du moins guidé des filles. T'as été, j'imagine, un peu l'inspiration pour des filles dans ce milieu-là. Est-ce que t'en as vu qui étaient dans ce milieu-là pour les mauvaises raisons, puis que tu disais, oh, elle s'en va vers un mur. Elle va saboter sa vie. Ben, il y en a qui m'ont déçu, qui étaient super bien partis, qui m'ont déçu, là. Ouais, vraiment. Parce que, il y en a là-dedans, tu sais, je sais pas comment. Toi, t'as commencé comment dans ce milieu-là? Tu es devenue danseuse. Pourquoi, en fait? C'est-tu parce que t'avais besoin? Moi, je voulais juste la légèreté de mon travail. Je voulais choisir mon horaire. C'est pas mal juste ça. C'était juste ça. Puis je voulais ça léger. Fait que ça n'a pas rapport, admettons, avec un père ou un oncle. Non, il n'y a personne qui m'a pimpé, là, elle est là, non. Ça a donné que j'ai rencontré. Je travaillais dans un bar le midi. Puis il y a une de mes amies serveuses qui, elle aussi, était serveuse. Puis son boss, c'était sa fête. Puis là, elle dit, tu connais-tu une danseuse? On veut y offrir une danseuse, le staff. Tu sais, pour sa fête. Fait que là, je dis, non, j'en connais pas. Elle dit, ben là, ça paye 250$, c'est pour une toune. Je suis comme, mettons que je vais le faire. Je te jure, c'était ça. J'étais comme, oh ouais, c'est pas si pire. Elle dit, ouais, mais tu sais, il va être avec sa blonde pis tout. Il risque d'être gêné, tu sais. Fait que finalement, je suis arrivé. J'ai même pas enlevé tous mes vêtements. J'ai commencé à enlever mes vêtements. Puis là, il était pas bien. Mais écoute, moi, j'ai été quelques semaines à sader dans le tapis, là. Oh. Tu sais, à enlever mes vêtements, puis à les renlever, puis à pratiquer, puis à pratiquer. Puis, fait que tu pratiquais pour cet événement-là? Oui. Oh. Puis là, après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui dansait au Castelltina, un danseur nu, en bas, puis en haut, il y avait les danseuses. Fait que là,
en étant en allant voir le danseur là, il y avait une danseuse qui était là, qui me dit crime, bah t'es en haut, mais moi j'ai 17 ans là, dans le temps là. Ouais. Mais moi j'avais été vraiment chanceuse parce que j'avais un permis de scooter. Puis il s'avait trompé sur ma date de naissance. Je suis né en 76, mais il avait écrit 73. Oh! Fait que j'avais des pièces d'identité. Ah ouais! Oui! Fait que j'ai été vraiment chanceuse, moi. J'ai été capable de rentrer dans les bars plus tôt. T'sais. Mais là, attends un peu, là, tes parents sont où pendant ce temps-là? Là, laisser leur fille de t'sais. J'étais tout seul dans ce temps-là, moi. Ah ouais, fait que t'étais déjà tout seul. J'étais déjà parti. Ouais, moi je suis indépendante. Ah ouais? Pas que j'ai eu une mauvaise enfance, là. Mon père il était conseiller municipal à la ville de Saint-Laurent. Ma mère, femme à la maison, toujours été là pour moi. Pas eu de problème, je suis juste indépendant. Je voulais rouler ma propre bosse puis faire mes affaires. Puis là, quand je suis arrivé aux danseurs, j'ai vu ça. Puis là, il y avait une feature justement qui était là, sur stage. Le premier week-end que j'ai travaillé. Puis elle avait des gigantesques seins. Comme des gigantesques seins. Tu sais, comme quand je te dis là, des gigantesques seins. J'étais tellement impressionné. Puis elle faisait rien, là. Elle se promenait, puis elle donnait des coups de sein partout dans la face des gars. Puis elle faisait la grosse pièce, là. J'étais comme, ah oh, ouais, elle prenait des photos, 20 piastres la photo, avec ses gigantesques seins. Là, j'étais comme, ouh, ça a de l'air le fun comme job, ça. Elle se promenait de place en place, puis elle faisait juste ça, elle était la vedette, payer la chambre d'hôtel, le bar open, les restaurants, tout. Et j'étais comme, oh ouais, ben je serais game de faire ça. Puis au fil des années, j'ai rencontré une feature par la suite qui s'appelait Grace Harlow. Puis elle travaillait aux Amazon. Puis j'avais travaillé aux Amazon, puis je l'avais vue. Puis là, j'étais comme, oh wow, elle est tellement hot. Puis elle avait un animateur qui s'appelle Danny Go, qui travaille maintenant au Gascon. Puis lui, il l'animait. Puis il faisait justement un game show à sa façon. Puis c'est lui qui l'animait. Puis elle faisait un peu la petite poupée. Un petit peu nounoun. Elle sautait. Puis elle était bien cute. Puis, mais elle faisait des chorégraphies incroyables avec la pyrotechnie. Puis tu sais, tout. C'est que ça m'avait beaucoup impressionné. Puis je me rappelle. Puis j'avais dit à l'agence que je voulais faire des shows. Fait que là, il m'avait dit, OK, mais si tu veux être showgirl, tu sais, j'avais pas de seins, j'avais cheveux noirs, tu sais, je m'habillais toujours en cuir, tu sais, c'était ma petite patente, là. T'sais. Ouais. Puis là, il me dit, ben, si tu veux faire des shows, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de place pour toi ici, parce qu'ici, c'est toutes des filles, grosses boules, les blondes, grosses boules, là. Puis, tu sais, toi. OK. Bissa, là. Ouais. Tu sais, dans ce temps-là, c'était ça. Ouais. Fait que il me dit, mais dans l'Ouest canadien, il y a des showgirls. Appelle-t'es. Fait que on va t'envoyer dans l'Ouest canadien. Pratique-toi là, monte-toi des shows. Je m'avais monté des petits shows. J'étais parti dans l'Ouest canadien. Mais j'ai dit, moi, je vais être comme Grace Harlow. Il m'avait dit, ben oui, toi. Tu vas être comme Grace Harlow. Check-moi bien tout à l'heure. C'est ça que je vais faire. Fait que là, j'ai fait ma tournée. Fait que t'avais une inspiration. Ouais. Wow. Puis là, dans l'Ouest canadien, j'ai rencontré le père de mon fils. Je suis revenu, j'étais enceinte. Fait que là, j'ai eu mon bébé, puis après ça, je me suis remis à travailler. J'ai pilé tout mon argent. Je me suis fait faire les seins. J'ai acheté des costumes, de la pyrotechnie. Mon chum il a pris des cours de pyrotechnie, toute la quête. J'ai pris des cours de danse avec un danseur, justement, que j'ai reçu à mon podcast, Derek O'Neill, qui était magicien. Okay. Qui m'a appris la magie, en plus. Fait que je faisais de la magie, des chorégraphies, et j'animais mon propre game show à la fin. Wow! Fait que t'as été, comment tu l'appelles, Grace Harlow. Oui, mais en fait, Grace Harlow, elle a lâché. C'est elle qui faisait la toupie québécoise là, dans Elvis Graton. Tout le monde a vu ça. Là. Oui, oui, oui. Ça, c'est Grace. C'est ça. OK. Oui. Wow. Puis là, elle lâche tout. Puis elle avait un paquet de contrats. Fait que là, Danny, il m'a appelé parce que j'y ressemblais un peu, tu sais, les cheveux blonds comme elle, les seins comme elle, tu sais. Ouais. Fait que là, il m'appelle, il me dit, hey, Tangerine, ça te tente-tu, tu sais, comme de la remplacer, faire ses chorégraphies, pis tout. OK. J'ai fait ses chorégraphies, j'ai appris ses chorégraphies en pas long. J'ai fait une tournée avec Danny. Fait que j'ai remplacé Grace. Wow. Ouais. Puis après ça, ben, là, Danny était comme, t'as pas d'allure, t'es ben trop, tu sais,
j'allais plus loin que je posais, que j'étais supposé d'après Danny, mais moi j'étais comme hey, les années 2000 sont là, là. Wow. On est rendu là, faut pousser la machine. Fait que là, il m'a dit hey, on fait-tu une tournée Grace 2? J'étais comme t'es malade, toi, Grace 2, moi je suis Tangerine, je fais mon affaire à moi. Ouais. Soit que tu me suis comme Tangerine ou t'sais, je vis pas dans ton passé, là. Non, c'est ça. Puis c'est comme, t'es pas un Elvis personator, là. Tu sais, là, ça c'est fait ça. Un peu personator, ça, cette affaire-là. Là, tu sais, là, t'es ben, capable d'être ta propre feature. C'est ça, mais c'est hot, pareil, là. Tu sais, faire les shows de ton idole. Ouais. C'était comme. C'était tellement un rêve. J'ai trippé ben raide. Ouais. Mais là, après ça, je l'ai fait, tu sais, à ma façon. Écoute, on a commencé. Mon ex et moi, on se promenait, on avait un Ford F-150 plein de stock. On arrivait dans le bar, hey, ça nous prenait 6 heures monter toutes les lumières, la pyrotechnie, tout le kit. C'était fou, là. J'étais tellement de stock. Puis à la fin, j'avais comme un sac avec des dildos, là, puis des micros. That's all you need. Mais à un moment donné, t'as dû faire le calcul, t'as dû dire Chris là, tabarnak, là, si on peut, tu sais, on va sauver sa pyrotechnie pis tout, là, tu sais, là, de toute façon, c'est pas comme si je vendais pas mes billets. Fait que tu sais, t'as dû y penser, t'as dû te faire, ben là, c'est peut-être des dépenses de trop, là, tu sais, ces affaires-là. Ouais, ben c'est pas rien que ça, c'est qu'à un moment donné, tu sais, la clientèle change, pis quand t'es à l'écoute de ta clientèle, c'est la même chose avec le podcast. Je veux dire, avec au fil du temps, tu regardes ton projet, pis tu l'ajustes avec qu'est-ce que les gens aiment. Puis, c'est au fil du temps aussi, qu'est-ce qui est en mode? Ouais, parce qu'il y a qu'est-ce des qui est nécessaire? Ouais, ouais. Il y a des modes même dans ce milieu-là. Là, c'est ça. Ben, exact. Mais c'est pareil dans les clubs, dans les spectacles. C'est des représentations. C'est la même chose. C'est du entertainment. Du entertainment, tu suis ton monde. T'sais, tu suis ton monde. Puis, il faut que tu aies une idée de ton image aussi. Mais tu sais. Ouais. Il n'y avait pas de hardcore. Fait que, tu sais, moi, c'était là, je m'en allais. Là. Je m'en allais dans le hardcore, dans l'humour, dans la vulgarité. Je m'en allais là-dedans. Tu sais, là, c'est un. Tu sais, je m'en vais autre. Je m'en vais ailleurs. Tu sais, c'est une autre époque. Puis, j'ai vieilli aussi. Fait que, tu sais, je vois différent. Mais, tu sais, dans ce temps-là, je voyais ce que les clients, où c'est qu'il y avait l'attention, où c'est que j'avais l'attention. Qu'est-ce qui amenait autant les femmes que les hommes voir le spectacle? T'sais. OK. Est-ce que tu vois une différence? Tiens, admettons, t'es peut-être plus beaucoup dans ce milieu-là, mais est-ce que tu le connais encore, ce milieu-là? Est-ce que tu vois une différence entre aujourd'hui et dans ton temps? T'sais? Ben oui. Ah ouais? C'est ben quoi oui, la différence? C'est pas pareil, là. Mais premièrement, les créateurs de contenu, c'est une grosse différence, là. T'sais, ça ressemble un peu à dans le temps, nous autres, on avait tous nos sites Internet. T'sais, ouais, chacun, temps, ouais. J'avais mon site internet, fait que là, à Star, ils ont tous leur OnlyFans. Mais ça a changé beaucoup parce que les filles, maintenant, tu sais, comme, il y a beaucoup d'échanges de contenu. Mais dans le temps, il n'y avait pas ça. Tu sais, on payait le monde, là. Tu sais, c'était différent. Tu sais, comme, quand tu allais travailler pour quelqu'un, ben, tu le payais. Puis là, tu sais, tu payais, puis tu sais, là, okay. Puis, un petit peu moins. Peut-être un peu moins de compétition, beaucoup de compétition en ce moment-là. Ben, tu sais, moi, je suis pas dans le milieu, mais tu sais, j'en côtoie du monde dans le milieu. Fait que, il y a beaucoup de compétition. Ça a l'air difficile, mais tu sais, c'est pas un milieu facile de toute façon. Parce que, tu sais, en même temps, la sexualité est tellement. La sexualité est tellement disponible, tu sais, avec l'Internet. Toi, t'as commencé, l'Internet commençait. Je veux dire, oui, tu avais du porn, tout ça. Mais là, t'as des sites gratuits. Tu peux, tu sais, si j'ai envie de me crosser, je suis, tu sais, dans le temps, moi, j'ai connu les années où est-ce que si tu voulais te crosser, c'était soit que c'était un Playboy, un catalogue Sears, ou t'allais aux danseuses, tu revenais, puis là, ben, tu te refaisais la scène dans la tête, tu sais. Mais tandis qu'aujourd'hui, t'as plus besoin de ça nécessairement. Tu t'abonnais à un site. D'une personne, tu sais, tu choisissais où t'allais dans un club vidéo, t'allais louer ton aussi, vidéo. Ouais. Tu montes la face, là. Tu sais, quand t'arrivais au club vidéo, puis tu louais ton film, là, tu sais, le gars du vidéo du coin, il te reconnaissait, là. Ouais, donc, ouais. C'était gênant. Si tu voulais pas, tu voulais pas le voir, tu sais, surtout toi, à Rouyn-Noranda, là, tu sais, je veux dire. Ouais, non, ça c'est te tente ça. Moins. Exactement. Les petites maudites
porte battante, là, tu sais. Son. Penses-tu que tu aurais eu la même carrière si, admettons, tu avais commencé ça aujourd'hui, si tu étais né plus tard et que tu serais dedans aujourd'hui? Sûrement pas, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est tellement de si, puis de peut-être, puis de tu sais, les arts, tu sais. Je veux dire, je veux juste m'amuser. Simple. Ouais. C'est tout. Moi, je veux juste m'amuser. Je veux juste créer, m'amuser, rencontrer des gens, échanger. Je veux juste m'amuser. C'est juste ça que je veux. Ouais, ouais. Simple de même. C'est... Puis... C'est la même chose quand je faisais des shows, là. Tu sais, je voulais voir les gens rire, je voulais voir les gens heureux, je voulais que ça soit simple, pas compliqué, qu'on s'amuse. C'est juste ça que je veux. Ouais. J'ai pas changé, là. Ouais. C'est aussi... Parce que les bars de danseuses ont peut-être... Tu sais, ils doivent en avoir moins, ils doivent en avoir beaucoup moins. Ouais. Je te dis, moi, je suis contente, là, d'avoir fermé. De toute façon, j'aurais fermé anyway, là. Tu sais, moi, j'ai fermé mes bars, là. Un moment donné, j'ai mis athlète dedans, là. J'ai dit, là, c'est assez, là. Tu sais, un moment donné... perdais de l'argent? J'en avais juste plus, là. Comme, quand t'en as plus, là. Puis qu'avant de faire livrer de la bière, là, faut que t'en trouves, là. Ouais. Tu sais, faut que t'en trouves. Fait que tu fais les restaurants, alentour. Hey, tu peux me vendre une caisse, t'as. Le client rentre, là, t'es comme... Tu sais, j'ai de l'alcool en masse, mais... j'ai pas de bière. Fait que. Ouais. Ah, je prendrais une bière. Ah, oh, on a juste la boréale russe et 10,5 $. Il est comme, sérieux, tu me niaises? Non, je vais te faire un double vodka canneberge. Puis c'est parce que t'étais. Puis c'est. Mais parce qu'à un moment donné, t'as plus d'argent. Puis là, j'en devais à la batte. Là, je fais pas les payer. Là, t'espères faire de l'argent pour pouvoir les payer, avoir une autre commande. Là, ouais. Tu sais. Fait que là. Parce que ton club, il fonctionnait pas, quoi? Ben, c'est ça. Ça marchait pas, parce que si ça marchait, j'aurais eu de l'argent. Ouais. C'est sûr que ça marchait pas. Fait que là, la raison pourquoi ça marchait pas, c'est sûr que c'est de ma faute, parce que si je suis pas dans l'équation, sûrement que le résultat est pas le même, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que je prends le blâme pour tout ce qui est arrivé. Ouais. Autant que je prends. Tu sais, je prends le blâme quand que. Quand c'est positif que quand c'est négatif. Là. Mm. Tu sais, je veux dire, il faut être capable de se regarder dans le miroir puis de dire, bon, OK, j'ai fait telle affaire que j'aurais peut-être pu faire différent. Mais tu sais, je regrette rien, là, mais pas du tout. Pas du tout. Ça a fait la femme que je suis maintenant. Mm. Et j'ai essayé plein de choses. J'ai eu plein de sortes d'entreprises. J'ai même encore une compagnie de tatouages. Là. J'enlève les tatous. J'ai encore là-dedans. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu as juste ton podcast? As-tu d'autres activités que tu fais? Ouais, c'est ça. Je fais aussi du détatouage. Fait que quand j'ai recommencé à faire des shows, puis là, ça n'a pas fonctionné. Je cherchais de quoi à faire. Puis là, tu sais, j'étais comme, bon, OK, je vais me partir à une entreprise. Que je vais me partir? Je cherchais beaucoup. Puis là, on parlait de laser. Le laser, tu envoies l'encre dans le système lymphatique. Puis, tu sais, bon, ça pourrait rester dans les ganglions, etc. Fait que là, j'étais comme, ah, ouais, il y a peut-être du monde qui sont concernés par ça. J'ai fait des recherches. Puis là, j'ai trouvé une technique sans laser pour retirer les tatouages qui n'étaient pas au Canada encore. Fait que je l'ai fait venir ici au Canada. C'est une technique sans laser. Oui, exact. C'est quoi? C'est une potion magique? C'est un produit naturel. Ce produit-là, il se lie avec le pigment. Il crée une croûte. Il cautérise. Puis quand la croûte tombe, il n'y a plus tant qu'à l'endroit traité. C'est ça. Puis on utilise fait que ça doit être bien plus efficace que le laser, parce que le laser, ça crée Oui, c'est plus efficace parce que où c'est qu'on traite, il n'y a plus d'encre. Par contre, ça guérit vraiment moins vite que le laser. Le laser, tu sais, un mois plus tard, c'est ni vu ni connu, tandis que des tatouages. Mais ça paraît quand même un peu dessous où le laser est passé. C'est impossible enlever un tatou puis ça paraisse pas, là. C'est impossible. Si tu penses que tu vas enlever ton tatouage, ça paraîtra pas, là. T'es vraiment comme déconnecté de la réalité, là. Fait que ta technique à toi aussi, Alice, ça c'est pas. Ça revient pas à une peau de bébé, là. C'est comme quand tu te blesses, là, tu sais. Ça peut revenir parce que je crée une gage, je crée une croûte. Ouais. Tu sais, quand tu te blesses d'un vélo, tu tombes de ton vélo, bon, ben, tu sais, des fois, ça fait rien, puis d'autres fois, Ouais. T'as une cicatrice. Mm. C'est sûr que ça va
faire le... Tu sais, ça va passer le cours d'une guérison normale, qui veut dire que ça va être rouge, après ça, ça va être rose, après ça, ça va possiblement être blanc. Ouais. Puis après ça, peut-être ça paraîtra plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Mm. Tu sais, on souhaite que ça paraisse pas, puis il y a plein de monde qui ça paraît pas, mais tu sais, si tu penses que tu vas enlever ton tatouage de n'importe quelle façon, puis que ça paraîtra pas, t'es complètement déconnecté, là. Tu sais, si le tatouage est fait pour être là à vie. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que tu te bats contre quelqu'un, t'enlèves quelque chose qui était pas, qui était voué à rester là. C'est ça. Tu veux enlever quelque chose qui se poser d'être permanent, même si tu le retires avec un médecin qui enlève ta peau, il va quand même te laisser une cicatrice. Je veux dire, c'est complètement impossible d'enlever, retirer un tatouage puis qu'il n'y ait pas de marque. On peut le faire avec moins de risques. Ouais. Tu sais, on peut s'assurer que ça guérisse bien, autant au laser que chez nous. Tu sais, il y a des techniciens qui peuvent utiliser le laser très doucement puis que ça va faire une bonne job, mais ça va prendre beaucoup de traitement. Puis tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais c'est de la peau, c'est de la guérison, c'est quelque chose qui est supposé être là. T'en as-tu déjà enlevé sur toi des tatous? Jamais? T'as jamais eu besoin de faire non, ça? J'en ai t'sais... beaucoup, tu sais. Ouais? Ouais, je suis rendu quasiment... J'ai pas le ventre de fête, puis les fesses, puis les seins, là, mais tu sais, j'ai quand même le haut de la poitrine, j'ai tous les bras, j'ai les cuisses, j'ai les mollets. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Même si j'ai un tatouage qui est moins beau. Là. Ouais. Est-ce que ça arrivait que tu tombais en amour ou que t'avais des clients que t'avais le goût de ramener chez vous? Je pense que ça m'est arrivé une fois. Là, ouais? Quand je dansais. Ouais, une fois qu'il y a un client que tu sais, t'as de l'énergie, l'énergie sexuelle. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, une fois. Pas plus que ça. Tes chums, tu sais, ton premier chum, le père de tes enfants, il était-tu dans ce milieu-là, lui aussi? En fait, mon garçon, c'est vrai. Ouais, okay, ouais, j'ai eu ma fille avec mon conjoint, que je suis encore, ben, mon mari, en fait. OK, OK. Puis ouais. Est-ce que les deux ont déjà été dans ce milieu-là? Ben, Terry... Ouais, Terry a fait des films, mais tu sais, c'était parce que moi j'en faisais. OK. Parce que la première fois que je me suis fait offrir de faire un film, ben, ça se faisait être un film genre Bleu Nuit, tu sais. Un petit 2X, là. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, on m'a fait de faire ça, puis là, je suis comme, OK, cool, je suis willing. Mais là, ça a comme changé d'idée. Mais là, ils m'ont offert un prix, vraiment un bon, super bon prix. Puis ils m'ont dit, tu peux le faire avec ton chum, puis tu vas avoir une scène à faire avec une autre fille, qui était Lexi Bassi. Je sais pas si tu te rappelles. Lexi? Bassi. OK. Elle avait les cheveux tout rasés. Ah. Quand même assez grande, là. Tu te rappelles-tu? Non, je m'en rappelle pas, tabarnouche. C'est les Québécoises au bureau, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Les Québécoises au bureau. Il y a quelqu'un justement qui m'a écrit une couple de semaines qui m'a dit « Hey, cherche ce film-là. » Je me souviens d'une image de ça. Je pense que c'était toi qui étais assis sur le bureau, habillé comme en tailleur, puis tout ça, je me souviens. Ça, j'ai des souvenirs de ça, mais je me souviens pas celle dont tu me parles. Mais c'est là que tu as connu ton conjoint, c'est ça? Non, j'étais avec lui avant. OK. Mais là, tu sais, quand ils m'ont offert ça, mais ils m'ont dit, ton chum peut participer, ça peut être lui le gars. OK. Puis j'ai dit, bon, il faut qu'on baise anyway, tu sais, bien, le faire pour l'argent. Faire ça pour de l'argent. OK, c'est ça. On a fait le premier film, puis ça a bien à donner parce que lui, il a pas eu de problème là, avec son érection, etc. Fait qu'on a fait plusieurs films ensemble et pas ensemble aussi. OK. Puis, c'est ça. Mais mon chum maintenant, non. Il est pas... Non. Non. Comme je t'ai dit, quand j'avais le complexe échangiste, on faisait des live sex shows. Ça, il est bien bon là-dedans. OK. Mais, c'est ça. Huh. C'est tout. Mais une caméra, lui, n'importe quelle caméra... Puis, ou un micro, là. Mais à ma fête, au podcast, au Poutine Bar, c'était supposé, tu sais, j'avais plein d'invités du monde de Tangerine. Fait que,
Les invités sont là un après l'autre, ils défilent, on joue à l'invité musical, genre il y en a deux, puis qu'il y a un qui raconte des niaiseries, ben on l'envoie, puis il est remplacé par un autre. Puis à la fin, c'est supposé être une surprise que ces deux ex-danseurs qui sont déjà venus au podcast, qui dansent pour moi, tu sais, comme des danseurs retraités, là. C'est okay. Ça comme la joke, tu sais. Fait que là, moi, je le sais, tu sais. Ils me disent, ah, on a une surprise pour toi, tu sais. Je suis comme, ah, j'essaie d'être. De faire la surprise. Ouais, ouais, tu joues le jeu. Surprise, cool, cool. Mais, fait que là, eux autres, ils se mettent à danser. Puis là, je suis comme, ah, cool, cool. Mais là, tout d'un coup, mon chum, il arrive. Wow! Ouais, il arrive. Puis là, il y a un kilt. Puis tout, il se met à danser, tu sais. Cool. Mais là, il enlève le kilt. Puis il est en G-string léopard. Devant tout le monde, devant les caméras. Puis tout, il me danse ça. Il savait pratiquer. Puis tout. Wow! Oh my God, c'était vraiment drôle. Il dit, tu vois comment que je t'aime pour faire ça? Parce que vraiment, là, il fige ouais. Là, devant la caméra. Un moment donné, tu sais, t'as été DJ d'un club de danseuses. Ouais. Puis il y a sûrement eu des features qui sont venus au club. Ouais. T'aimais-tu ça, les animés? Ben, ils savaient ce qui. Ben, j'animais pas. Ils me disaient les tunes que c'était eux autres qui animaient ça. Tu sais, c'était eux autres qui. Ouais, c'était. Ouais. Fallait, tu sais, faut que tu les introduises. Puis tout, ouais. Tu sais. Mais moi, mon show était quand même long. Puis j'animais. Là, des fois, les animateurs, tu sais. Tu sais, genre, je t'avais à dire une joke. Tu sais, j'ai mes punch, mes jokes, mes affaires. Puis là, lui, il va me couper en plein milieu, tu sais. Oh non! Fait que là, j'étais à Québec, je me rappelle. Puis tu sais, au Lady, c'est grand, là. Il y a tout le temps plein de monde. Fait que tu sais, les vendredis, samedis, c'était full, full. J'ai eu tellement de fun. C'est un de mes meilleurs bars à travailler, là, tu sais. Puis là, j'animais. Là, il me coupait. Là, j'étais comme, oh my God. Là, j'étais à mon chum. Je dis, là, je suis plus capable, là. Je te dis, à un moment donné, je vais sortir du stage, je vais aller les triper. Là. Mais il disait quoi? Tu t'interrompais pour dire quoi? Genre. Fais du bruit! Ah non, non, ok. Ok, je comprends. Ouais, ouais. Ouais, tu sais. Tu sais, comme. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais. On t'a-tu appelé? Mais je me souviens que aussi, tu sais, souvent les DJ dans des bars de danseuses, eux autres aussi, c'est des petites vedettes, puis ils ont leurs petits égos, là, tu sais, là, je veux ouais. dire. Puis là, quand il arrivait une feature, la feature, elle volait un petit peu sa job de vedette, là, tu sais, là, c'était comme plus Louis, là. Parce que, tu sais, c'était un peu, le DJ, il passe un petit peu pour le pas le parrain, mais tu sais, c'est un peu le gars qui présente les filles. C'est un peu lui, le roi, puis là, il fait danser les filles. Mais là, ouais. T'arrives une feature, puis elle sait ce qu'elle fait. C'est elle qui anime, c'est elle qui entertain. Puis là, d'un coup, le DJ, faut qu'il prenne un pas de recul. Tu sais, ça peut peut-être en blesser l'ego de certains. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, il essayait de participer. C'est ça l'affaire. Tu sais, il était pas méchant, mais il avait juste comme pas le tour à trouver le beat. Là, ouais, ouais. Comme peut-être, tu sais, un moment donné, avec la pratique, ouais, avec une couple de semaines de pratique, là, sûrement qu'on aurait été un bon team, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, on manquait de pratique. Pas mal. Puis mon chum, il connaissait mon show, pas rien qu'à peu près. Fait que là, j'ai dit, anime les dons. Puis mon chum, il y en a des jokes. Il est drôle. Il est drôle. Ouais. Puis, ouais, il m'en refilait pas mal. Fait que, tu sais, souvent, quand j'animais, j'avais ces jokes là, tu sais. Okay. Les jokes les plus vulgaires là, ça venait de lui là. OK, OK. Les jokes vulgaires, il est bon là-dedans. Fait que ouais, et fait que tu sais, je dis crime anime, puis en plus tu connais mes punch, ouais. Tu sais que j'ai l'habitude à faire. C'est sûr que c'était de l'impro majoritairement, mais tu sais, t'as quand même une base. Ouais. Donc, t'es ouais. habitué là, tu sais, tu fais deux shows par soir. Habitué à un moment donné de voir ça, là. Mais il a donné le micro, là. Il a figé total. Oh non. Non, non, il était pas bien dans ses shorts, là. Il était pas bien. Fait que là, il a repris le micro. Comment vous êtes rencontrés, toi puis lui? On s'est rencontrés, en fait, dans un bar. Lui, il était barman. Puis moi, je célibataire, j'étais allé sur une date, tu sais, une première date avec un gars. Puis là, j'arrive, tu sais, avec le gars, il est comme,
il vient de sortir de detox, genre, là, il boit pas. Non, OK. Là, moi, je peux pas boire. Là, je peux pas. Si on est au restaurant, je mange un steak, il me semble, tu sais, un verre de vin. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec l'alcool, là. Tu sais, toi, t'as un problème. C'est ton affaire, tu sais. Ton c'est ton problème, tu sais. C'est pas réglé. C'est plate que j'aille ça sur les épaules, tu sais. Je veux dire. Souvent ta mère pour un verre de vin, c'est ton affaire, mais moi je le fais pas. Fait que, fait que là, je trouvais ça bien lourd. Là. Il me racontait tous ses problèmes. Fait que là, je suis allé dropper le gars, mais là, il y a un autre gars qui m'a appelé. Lui, complètement contraire, il s'abrosse au bord. Viens me rejoindre. Sacrifice, t'es en ligne ça, toi. Hein? Fait que là, je dis OK, mais là, c'est à l'hôtel de la montagne. Fait que, tu sais, à Montréal, le stationnement. Non, pas évident. C'est ça. Fait que ça coûte une beurrée. Puis, tu sais, j'arrive là, je me stationne, j'arrive en haut, il est rendu sous, tellement sous, de la misère à parler, tu sais. Là, je la trouve pas drôle. Ah ouais, non. T'sais, ça fera pas drôle. Date le fun, ça, là. C'est ça. Je pars d'une date que le gars, il est vraiment plate, puis je m'envoie une date que le gars, il est comme rendu passé le fun. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu du fun, puis il t'a pas attendu. Là, c'est ça. Là, il était le fun 20 minutes, peut-être. Pour un petit 5. fait que là, je dis, bon, il fait que là, il dit, veux-tu de quoi à boire? Je dis, ben là, tu sais, parce que c'est lui qui m'a invité, là. Tu sais, s'il m'a fait un verre, c'est correct, mais sinon, je vais m'en aller. Là, il dit, oh ouais, t'es une de même. Je dis, non, je suis pas une de même. C'est juste que, tu sais, j'ai fait la route. Tu sais, j'étais au bout de la ville. Ouais. Je suis descendu. J'ai payé mon stationnement, je suis ici, je connais personne, j'avais pas envie d'être ici. Tu sais, je veux dire, j'ai pas envie de me payer un verre ici. C'est ça. C'était pas ma destinée ici, là. C'est ça, tu sais, j'étais venu le rencontrer, mais il a pas été capable de, comme, rester straight, là. c'est sûr qu'il y a pas de futur entre nous deux. Fait que là, t'es resté au bar avec. C'était arrêté d'avec. Ben là, finalement, il dit, ben non, là, je vais t'en payer un verre. Je dis, ben non, là. C'est pas que je suis pas capable de me le payer. C'est juste que je trouve que c'est un manque de respect, là. Tu sais, tu me fais. Tu sais. Puis là, le lendemain, je vais au gym. Puis écoute, il est au gym. Oh! C'est ça. Timon. Ouais, exact. Il est au gym. Puis là, je dis, viens voir mon show. Je me rappelle, je faisais encore des shows. Viens voir mon show. Tata, il était comme. Comme je fais aller voir ton show, tu sais. Je suis pas intéressé d'aller aux danseuses. Fait que là, il dit, ah, mais tu sais, je dis, ben là, après mon show, je m'en vais à telle place avec mon entraîneur, mon ex, mon meilleur ami. Tu sais, une gang de gars, il est comme, non plus. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps avec des gars. Ouais. Tu sais, je suis tout le temps avec des gars. Fait que c'est tellement plus simple. Fait que là, je dis, bon, OK. Là, il dit, bon, mais plus tard, j'irai, tu sais, dans un after au circus. Bon, OK, peut-être. Peut-être je vais aller te rejoindre là. Ma chum, Trash Metal, elle s'en va là. Fait que je vais peut-être aller. Mais là, j'essaie d'appeler. Ta chum quoi? Je l'appelle Trash Metal. Trash Metal. Ta voix, tu vas comprendre. C'est son nom. C'était-tu une danseuse aussi? Oui, c'était une danseuse. Mais elle faisait pas des shows. Mais elle était danseuse aux Amazones. Puis, elle était une métalleuse, quoi? Non, c'était comme. Était trash. Une voix comme moi, avec beaucoup de. Ouais. Puis, tu sais, elle. Mais c'était-tu elle qui. C'était-tu son nom d'artiste ou c'est un surnom vous y avez moi, donné? Moi, c'est moi qui ai donné ce surnom-là. Ok. Trash Metal. Mais un moment donné, je me rappelle, tu sais, puis moi, je suis vraiment pas une poteuse, là. Tu sais, comme vraiment pas, là. J'ai fumé, peut-être, dans ma vie. Couple de mois, quand ça allait pas bien. Là, t'sais, un moment donné, là, c'était que soit. Okay. T'sais, quand j'étais en train de perdre mes bars, pis toute l'équipe, ça allait pas. Là, t'sais. Je me levais le matin, pis j'étais en vie demain. Là, t'sais. J'étais comme. T'sais, aujourd'hui, je me réveille, pis j'ai hâte à demain. T'sais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça va être de la merde. Peut-être demain, ouais, va être mieux. Ouais, c'est t'sais. Ça. Ouais, fait que là, je fumais un peu, t'sais. Mais moi, je fumais comme de la feuille. Là, t'sais. Comme, okay. Comme rien. Là. Deux puffs. Puis c'était en masse, tu sais. Ouais. Mais à toutes les fois, j'allais faire des shows aux Amazones. Trash Metal était là. Tu sais. Puis là, j'y offrais tout le temps. Hey, tu fumes, tu sais. Puis là, comme deux puffs de mon pote dégueulasse que tu tousses pendant une demi-heure après, genre. Mais là, un moment donné, Trash, elle me dit, Tange, c'est moi qui te paye. C'est moi qui te paye le pote. OK.
OK. On y va, je me fais traiter. Fume deux puffs, mais c'est pas la même qualité, hein, pour faire tout. Je te dis, c'est dur. Être sur stage avec des lumières, en talons aiguilles, quand t'es gelé. Esti, ça doit. Ouais, 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 ça marche pas, ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Non, hey, non. Moi, non. Juste me rendre, parce que moi, je me gèle à toutes les soirs. Mais moi, c'est pour dormir, tu sais. OK. Puis, fait que, tu sais, je le... Admettons, je vais être gelé, réveillé peut-être une demi-heure, puis je finis par m'endormir, puis je dors dessus. Mais cette demi-heure-là, tu sais, si admettons, je pogne faim, là, puis je m'en vais dans la cuisine, là. Hey, j'ai l'impression de marcher comme Robocop. Asti, là, ma démarche, là, c'est comme... Puis moi, je me gèle, puis c'est comme... Quand je suis gelé, c'est tout le temps la même affaire. C'est comme si c'était un film à toutes les nouvelles minutes, c'était comme un nouveau film qui partait, tu sais, c'était comme c'est weird, tout le temps est compartimenté comme ça là. Puis là j'essaye de rattraper le temps et de revenir dans c'est tellement weird, fait que je peux comprendre avec des talons hauts sur un stage. Je capotais rien. J'ai fait mon show là à quatre pattes à terre. J'ai trouvé ça vraiment. Ah ouais, hein? Ah, j'ai animé là, tout le long là, en me tenant sur une chaise. Ça a été ça. Non, non, mais j'étais drôle, par exemple. Au moins. Ah ouais? Yes. Fait que ça a donné un bon show pareil pour le monde. Non, là. Non, ça donne tout le temps un bon show quand je suis sur le party. mais je fume plus parce que ça me fait juste plus. Là. Je paranoïe un peu trop. Là. Ah ouais, tu deviens parano là-dedans. Ouais, j'ai vraiment dans ma tête, fait que ça me fait pas. Mais aussi, tu sais, on s'entend, là, la qualité est forte, là, quand même, là. Tu sais, je vais à SQDC l'autre fois, pendant la pandémie, tu sais. Mon fils, arrête donc à SQDC, achetez du pot, toute la kit. Je dis, OK, j'arrête à SQDC, là, je suis comme, ouais, je prendrais... De quoi qui me fera pas paranoïer, qui me fera pas manger, puis il m'endormira pas. Il dit, madame, c'est de la marijuana. Effectivement. Oh, ouais, moi, tout. Je doute qu'on trouve ça ici. Je sais, mais j'ai demandé à peu près la même affaire. J'ai dit, moi, mon problème, c'est que je bouffe trop, hostie, je vide le frigidaire quand je suis là-dessus. Là, il dit, ouais, y a pas. Puis l'affaire, c'est aussi, c'est que des fois, Colin, je viens paranoïaque, parce que je viens paranoïaque des fois. Comme toi, tu sais, je deviens triste, puis là, je pleure, puis je suis paranoïaque, puis là, d'un coup. Puis là, ouais, ben, tu sais. Fait que là, tu sais, tout ce que je disais, il y avait de l'air de dire, ben, c'est ça, tu sais, t'es peut-être pas dû pour être à SQDC, tu sais, va-t'en chez iSaut, tu vas avoir plus de fun. C'est ça, il était comme, madame, tu sais, c'est de la marijuana, là. On va rester vrai. Ouais, j'avoue que c'est peut-être pas fait pour moi. Fait que non, je fume plus, mais j'aimais bien les gummies un moment donné, là. Tu sais, des petits gummies. Ouais, ça, puis ça contrôle bien aussi ton buzz. Tu peux en manger juste un, c'est pas trop sauvage, ça. Ouais, mais là, l'autre fois, ma tante, elle avait acheté sa réserve, là. Pas pareil pantoute. Ah ouais, non, ça. Non, les autres, ils ont pas les mêmes gummy bears quand même. C'est ça, là, je trosse plus. Ouais. Ah ouais? Mais en Ontario, tu sais, la SQDC de l'Ontario, là, ouais. Les gummy bears sont vraiment doux, là. Tu sais, t'en prends juste un, puis t'as un beau buzz. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout le temps la même. C'est tout le temps la même quantité de buzz, tu sais, tandis que les affaires sur les réserves ou sur la rue, c'est que tu sais pas un joint ou un gummy bear comment ça va te geler. Tu sais, un jour, ça te gèle presque pas, puis l'autre, d'un coup, tu décolles, c'est bien trop, tu sais, fait que... Ah ouais, la dernière fois, là, avant souper, tu sais, on s'est dit, ah, on va faire un petit gummy, tu sais, mon ami qui fume pas mal, là, puis là, pendant mon souper, là, oh my God, là... J'étais dans ma tête. Là t'es comme. Il y a des trucs qui me tapent. Ma fille qui crie. Comme, oh my God! Je vais-tu péter une coche? Puis. Tu sais, comme. J'étais tellement dans ma tête. C'est comme là. C'est mieux. Non. Je touche plus à ça. Plus jamais. Plus jamais de la vie. Tu sais. Ouais. Mais bon, mon ami, il parlait. Là, ça arrêtait pas dans ma tête. En tout cas, ça marchait pas. Ça marchait. J'étais comme non. Non. Fait qu'on reste. C'était-tu payant? Ça payait combien un film? C'était-tu payant? Ouf.
écoute, mon premier film a été payant. J'ai été payé vraiment plus, mais après ça, c'était plus payant. Là. Fait t'sais, que c'est combien, c'est comme, ben, mettons, là, puis je trouve ça bien drôle parce que ça semble pas avoir changé, même ça l'a réduit. Ça l'a réduit dans le temps. Ah ouais? Ouais. Dans le temps, on faisait une scène peut-être, on parlait de 1500, une scène straight. OK. À Star, tu sais, les filles font 800. 800? Ouais, à peu près. Ouais, pour une scène straight. Puis ça, j'imagine, t'arrives avec un contrat, puis là, c'est écrit, OK, anal, oui, j'en fais ou j'en fais pas. Ben, ça dépend des compagnies. Dans le temps, on avait des compagnies. Tu sais, on arrivait avec. Si vous êtes scène straight, c'est une scène straight, ça veut dire pas d'anal. OK. Tu sais. Puis. Une scène straight, ça, c'est pas juste, d'anal. C'est vaginal. C'est, ouais, vaginal. Goffy, vaginal. OK. Goffy, that's it. Mais. C'est ça. Puis on arrivait avec les tests. Fallait avoir des tests 24 heures. Tu sais, en règle. Tu vas où pour ces tests-là? Ben, il y a des endroits, des laboratoires. Mais tu sais, comme j'étais privé. Mais à Star, il y en a de plus en plus de place. Mais tu sais, ça marche plus pareil maintenant. Fait que tu sais, je vais t'avouer, je suis pas la meilleure personne. Tu peux me parler de podcast tant que tu veux, là. Mais en fait, pour les films, c'est dans back in the day, là. Tu sais, je veux dire, ça a tellement changé. À Star, il y a des compagnies, ils testent plus, là. Tu sais, ils demandent plus les tests. C'est les acteurs maintenant qui s'arrangent entre eux autres avec leurs tests à eux autres. Fait que c'est ça. Puis c'est une petite communauté, on est fans. Fait que les autres s'arrangent entre eux autres. Tu sais, je peux pas parler pour eux. Ouais. Tu sais, je te dis qu'est-ce que moi j'ai entendu dans mon podcast, que vous pouvez entendre aussi si vous s'intonisez. Mais tu sais, ça a changé beaucoup, là. C'est plus ce que c'était. C'est plus, parce que c'est plus des compagnies vraiment, tu sais, t'as Pégase, mais tu sais, on dirait qu'ils ont voulu, Pégase, Adécat, ils ont voulu comme alléger l'affaire, tu sais, parce que les filles sont venues, puis les gars sont venus comme créateurs eux-mêmes, puis tu te le quittes, puis ils voulaient genre juste faire ça simple. OK. Puis payer moins cher, bien sûr. Ouais. Parce que là, quand faut que tu payes les tests, c'est 200 piastres, là, 250 piastres. Oh, OK. Tu sais, quand la compagnie, tu payes 1500, 1200, 800, même plus 250 pour le test. T'sais. Fait que là, c'est comme si c'était plus eux autres qui étaient responsables si jamais il y a quelqu'un qui pogne des maladies là-dedans. C'est comme, arrangez-vous, c'est à vous autres à faire vos tests, puis arrangez-vous avec vous autres. Si jamais il y en a un qui est malade, c'est jamais qui pogne une maladie. J'espère juste que ça n'arrivera pas dans le milieu où on est fans à Montréal. J'espère que le monde, il se check pas mal. Mais là, depuis la PrEP, c'est pareil avec les escortes. Quand je reçois les escortes, j'ai reçu un escorte gay là, dans le village. Là. Lui, je veux dire, il prend la PrEP. Là, puis depuis qu'ils prennent la PrEP, ils font attention. C'est quoi ça, de la PrEP? Ben, c'est le bloqueur d'HIV. Là. Fait que, ils prennent attends un peu, Colin. Ça bloque l'HIV. Ouais. Fait que si tu prends ça puis que tu fais l'amour avec quelqu'un qui a le HIV, tu pognes pas le VIH plutôt. Hein, waouh, ouais. Je savais pas que ça existait, tabarnouche. Je suis comme en... C'est ça. Ouais, tu peux la prendre aussi préventif. Fait que tu pourrais en prendre une avant une relation, mettons, une journée avant, je pense. Ouais. Ben, je suis pas médecin, là, je peux pas dire comment ça fonctionne. Mais il y en a qui en prennent à tous les jours. Ceux qui travaillent dans l'industrie, ils en prennent à tous les jours. Il y en a qui font des films qui prennent ça tous les jours, mais tu sais, t'as pas juste ça comme maladie, là. Fait que c'est ça. Mais moi, ça me. Je trouve ça cool qu'il y ait la PrEP, oui, mais tu sais, il faut que le monde. Tu sais, il check autre chose aussi. Ouais. Là. Ça, t'es-tu déjà arrivé d'attraper une maladie d'un partenaire? C'est comme. Les tests sont bien faits, là. Tu sais, c'est important d'avoir des tests bien faits, ouais. Bien faire checker. Mais tu sais, des trucs comme la chlamydia, la gonorrhée, t'es mieux de prendre les médicaments, là. C'est plus safe, là. Tu sais, moi, mon médecin me donnait les médicaments à place pour la chlamydia puis la gonorrhée parce que, tu sais, je veux dire, la personne, ça l'a pogné la journée d'avant. Le test prend 3 jours à avoir. Fait que ça vaut pas la peine, là. Fait que tu prends les médicaments comme si tu l'avais attrapé, mais ouais, dans le fond. Exact. OK, je comprends. Un petit peu moins fort, là. OK. Tu prends comme. Prévention, genre. Moi, c'est ça que mon médecin me suivait. Fait que là-dessus, ouais, j'étais all set avec mon médecin. Là. C'était super important de. Ouais. Ouais.
d'être clean là, pour ma famille, bien sûr. Avant d'embarquer là-dedans les bars, après ça, les bars de danseuse, c'est quoi que tu voulais, t'aurais aimé faire quand tu étais tout petite, admettons? C'était quoi ton métier de rêve? Je voulais être psychologue. Psychologue? Ouais. Travailleur social, en fait. J'ai fait un peu d'études comme travailleur social. Wow, OK. Ouais. Puis je lâchais parce que la paie était vraiment dégueulasse, là. Je suis comme, my God. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu... J'étais découragé un peu. Ouais, mais tu sais, je veux toujours aider le monde, là. Ouais, c'est ça, tu sais. À l'écoute, tout le kit, mais... Parce qu'il doit avoir, il devait avoir des clients... Tu sais, il devait avoir des clients qui arrivaient puis qui faisaient « Ben, ça va pas bien avec ma blonde. » Puis là, de fil en aiguille, tu finis par jaser avec. Puis tu te retrouves un peu psychologue puis à jaser avec puis à le réconforter puis à je sais pas, à lui donner de l'assurance puis à essayer qu'il ressorte de là avec... Mais Yann, tu sais, comme... Tu confonds vraiment parce que moi, j'ai pas été danseuse assez longtemps pour ça. Puis je veux dire, moi, mon plus gros travail en psychologie, comme je pourrais dire, ou en sexologie, ça a été plutôt de démystifier la sexualité puis rendre comme de rendre la femme forte à travers la sexualité. Okay. De montrer aux femmes qui ont une force vis-à-vis de leur sexualité, tu sais, parce qu'on a une force. Fait que t'es plus, toi, c'est plus au niveau de l'émancipation, là, mettons. Puis de, oui, je pense. J'ai travaillé beaucoup plus proche avec les gens en des tatouages, parce que ça, c'est vraiment des moments où c'est qu'on est proche, tu sais. La personne me fait confiance avec son corps. Ouais. Puis on vient... C'est quand on enlève un tatou, d'habitude, il n'y a jamais un beau sentiment relié avec le détatoire. Non, c'est ça. Fait que souvent, ils te racontent-tu un peu, admettons, l'historique du tatou, puis ils disent, ben là, je le fais parce que c'était ma blonde, mais là, je peux avec, puis elle m'a trompé avec mon meilleur chum. Ouais. Fait que tu dois entendre un petit peu leurs histoires, tu sais. Ouais. Ça c'est des moments que je me sens plus comme psychologue, parce que... OK. Oui, mais tu sais, en étant propriétaire de bar, ça, j'en ai fait beaucoup avec les danseuses. Ah oui, hein? Tu sais, oui, les danseuses et danseurs, Maman Dream, là, j'ai entendu, et même encore, je l'entends encore avec le podcast. Tu sais, Maman Dream. Ah ouais, hein? T'es comme ma mère. Tu t'es-tu fait beaucoup? Tu sais, parce que... Je pensais pas que... Ben, tu sais, je savais qu'il y avait comme... ce milieu-là, les gens se connaissaient, mais t'as gardé des amis de longue date, la manière dont tu m'en parles, tu sais. Tu me parlais du gars qui lui... T'as l'air de quelqu'un qui a vraiment... Ou c'est peut-être parce que t'es quelqu'un de rassembleur, fait que les gens s'agglutinent à toi à cause que t'as une personnalité forte puis t'as une personnalité connue. Je sais pas, mais je pense pas, je peux pas dire que vraiment le monde de l'industrie, je suis proche du monde de l'industrie. Parce que. Ben, tu sais, je dis pas de l'industrie aujourd'hui, mais mettons mais plus, de. Plus dans mon monde, dans ma vie privée, ouais, j'ai beaucoup de monde qui. Je suis fidèle aux gens ouais, qui ont des bonnes valeurs. Qui ont travaillé dans ce milieu-là, mais en même temps que toi, puis tout ça, t'as de l'air à être resté pas mal ami. J'aime les gens. Qui ont des bonnes valeurs, qui reflètent mes valeurs. Puis, dans ce temps-là, je suis loyal en tant qu'ami. Je vais être là pour toi tout le temps. Mais, tu sais, je veux dire, quand que... J'accepte pas, par exemple. J'accepte pas. Quand ça fait pas, ça fait pas. Puis ça, je m'entoure pas de monde avec... qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Fait que les gens... C'est quoi les valeurs qui tiennent à cœur? Si ben, moi, il faut être loyal. Ça, c'est super important. Loyal. Être loyal, être honnête. Ça, c'est quelque chose de super important. Quoi d'autre? J'apprécie aussi que les gens aient parole. Ça, c'est super important pour moi. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par hey, une parole? Ça veut dire ben, quand tu me dis que tu vas être là... Que les gens tiennent parole, je comprends. Ouais, tiennent parole. Ouais. Quelqu'un qui me doit 5$ pendant 2 mois, c'est rien que 5$, mais je me rappelle. Ouais, hein? Ouais. C'est comme, je te reconnais. Je sais, j'aime pas les gens égoïstes aussi. Il y a des gens, par exemple, j'admire, qui sont égoïstes.
je me garde une petite retenue. T'admires. Admettons, donne-moi un exemple. Ouais, il y a des gens que je vais admirer parce qu'ils ont de la drive sur certaines affaires. Mais on dirait qu'ils n'ont pas de l'air d'être comme conscients des autres autour. Fait qu'ils font les choses pour eux en premier. La majorité du monde sont supposés de faire, c'est dans un sens. Par contre, des fois, je trouve que ça manque de respect. Pis ça te répulse, ça, c'est du genre, c'est des gens que tu dis que vers lesquels t'es moins attiré. Je vais les admirer pareil sur certains niveaux. Ouais. Mais je vais me regarder une petite retenue. Ouais. T'sais, ça sera pas dans mon. Caroline, on est pareil sur ben des points. Parce que tu me dis ça, puis je suis un peu là. C'est la même affaire pour moi. J'admire des gens qui ont de l'orgueil puis de l'ego puis qui font avancer leur affaire puis que c'est genre tassez-vous. Si vous êtes dans mon chemin, vous allez vous faire appeler dessus, tassez-vous, j'avance. T'sais. J'admire, mais en même temps, je me garde tout le temps une distance parce que je connecte pas de façon amicale, admettons, avec ces gens-là, mais je les admire. Je regarde ça puis je fais comme je devrais être pareil. T'sais. On dirait que ça, je les envie, j'envie cette espèce de force de penser puis je sais pas, il y a quelque chose que les égoïstes sont capables de faire que moi je suis pas capable de. Ouais, t'sais. Ou tu sais, genre une fight niaiseux, ça peut être niaiseux là, genre la personne a dit ah, ok, je vais être là, si on fait une fight toute la quête, là tu t'attends que la personne soit là, mais elle décide que cette journée là finalement c'est ma dernière journée de congé. Regarde, bonne fête, puis ayez du fun, mais moi, je vais rester chez nous. C'est ça. Puis, tu sais, eux autres restent eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est okay. Correct. Ils sont corrects avec ça, puis tu te le quittes. C'est peut-être rien, mais moi, ça me fatigue, ça. OK, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça comme... Ouais, c'est quoi? Ah ouais, chez moi... Je trouve ça cute que la personne est capable de le dire... Que ça y tente pas, une fois, ça passe, tu sais. Ma chum, finalement, j'ai un petit rhume, file pas. Ah. Ouais. OK, je comprends. Ouais. Mais tu sais, quand c'est. Tu sais, c'est souvent, là, tu sais, où ma fille, une amie de ma fille, quoi que ce soit, là, on est supposé faire une activité avec ma fille. Ah, ouais, finalement, on ira pas. Ma fille est toute emballée d'aller en quelque part, puis là, eux autres, ils décident de pas venir. Fait que là, je suis obligé de dire à ma fille, ouais, finalement, ils viendront pas. Ouais. Tu sais, mais là, ça c'est, ces gens-là, ils font ça à répétition. Fait que là, ma fille, à un moment donné, est comme, ah, ouais, je sais, eux autres sont de même. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut pas compter dessus. Ouais, on peut pas compter ça. Dessus. Fait que, tu sais, t'es accepte comme ça, t'es admis pour ça, justement, parce que moi, je suis pas de même, là. Tu sais, je t'ai dit, je vais être là. Ouais. Tu sais, comme quand on s'est parlé, il y avait une tempête, je t'avais dit. Oui! J'arrêtais pas de te dire, ben voyons, on peut mettre ça à demain, on peut remettre ça en février, là, la tempête. Non, moi j'ai un bon char, je m'en viens. OK. Ah ouais, moi je t'ai dit ça, je l'ai mis dans mon oreille. I'm there, là, t'es mieux de compter, je vais être là, t'es mieux d'être prêt. C'est ça, tu sais. Mais toi, c'est quoi les valeurs que t'aimes pas, tu vois? Les valeurs que j'aime pas. Admettons. Je ne sais pas. C'est différent pour chaque personne. Y en a-tu que. Je pense l'égoïsme en est un, mais comme toi, c'est comme. Il y a des fois l'égoïsme, ça peut servir à quelqu'un de se faire son chemin. Tu sais, fait que. Je pense que ce serait ça. Sinon, je ne sais pas ce serait quoi. J'y pense, là. Je sais que, comme toi, je suis très à cheval sur la loyauté et sur la transparence. Moi, si tu me mens sur une chose, après ça, j'ai bien de la misère à te faire confiance sur quoi que ce soit d'autre. On va rester amis, mais on va rester amis, mais de loin. Tu sais, c'est comme... Je vais te saluer, mais je te réinviterai peut-être plus. Ou peut-être que, tu sais, si tu me mens, ça me déçoit. Ça me déçoit. Puis il y a du monde qui ment, là, qui pense qu'on ne le sait pas. Tu sais, surtout moi, les plus jeunes. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de gens plus jeunes autour de moi. Puis
j'ai 47 ans, j'ai deux enfants, là, je me suis fait mentir en masse, là. Ouais. Tu sais, je le vois, là, tu sais, quand quelqu'un ment, là. Là, je suis comme, oh my God, cette personne-là, elle ment total. Je dis à mon chum, elle ment, là. Ouais. Je te dis, je la crois pas. Ouais. Ouais, j'ai le feeling, le petit feeling. Des fois, t'as des affaires aussi. Tu sais, genre, quelqu'un qui finit pas ses jobs. Je t'aime bien, tout le kit, mais on sera jamais des super amis. Admettons un exemple, admettons, qui finit pas ses jobs. Ouais, tu sais, quelqu'un, genre, tu sais, quand ça vient compliqué, qui lâche la job, là. Ça me tape. Ah, OK. J'aime pas du monde de même. Ah, ouais? Ouais, ouais. Moi, j'aime du monde qui sont persévérants. Tu sais? OK. Sont persévérants. Qui tiennent leur engagement. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mais quelqu'un, comme tu sais, quand ça vient un petit peu compliqué, ah non, je lâche. Facile, lâcher, là, tu sais, je veux dire. Ouais. J'aime du monde persévérant, que si, mettons, ils ont de la difficulté, ils vont aller chercher de l'aide, ils vont, tu sais. Ouais. Ça, c'est des affaires que j'essaie de m'entourer du monde de même. Moi, j'ai une nouvelle phrase, j'en ai parlé cette semaine beaucoup. J'ai commencé l'année 2024 à me dire, à me répéter, c'est une phrase qui m'est venue dans la tête, parce que je cherchais une espèce de mantra, une phrase qui... Je cherchais un mot qui allait être le thème de mon année 2024. Parce que je suis tout le temps de même, je suis un peu spirituel, puis tout ça. Puis en fin de compte, j'ai trouvé une phrase. Puis la phrase, c'est « Est-ce que ça va rendre ma vie meilleure? » Fait qu'à chaque fois que je prends une décision, c'est « Will it make my life better? » Est-ce que ça va rendre ma vie meilleure? À chaque fois que, on me demande de faire de quoi, à chaque fois que je suis poussé à faire quelque... Admettons, pendant longtemps, j'étais un gars qui s'ostinait sur les réseaux sociaux. J'allais sur Twitter, je me pognais avec du monde. Ouais, j'ai entendu dire que ta vie était vraiment de la merde quand t'étais sur Twitter. Là. Oui, j'étais choqué. Je me choquais après du monde que je connaissais pas. Puis après ça, je faisais, j'ai gâché ma journée pour quelqu'un que je connais pas. On s'est ostiné sur quelque chose qui n'a pas changé d'avis. J'ai pas changé le mien. Tabarnak, j'ai gaspillé du temps pour absolument rien. Fait qu'à cette heure, je me répète tout le temps cette phrase-là. Will it make your life better? Puis je l'ai écrite quelque part, je vais l'afficher, je vais encadrer ce cadre-là. Puis je veux qu'à chaque matin, je vois ce poster-là parce que tout va être... Ma vie en 2024 va être basée là-dessus. C'est une expérience que je fais où est-ce que à chaque fois que... Et c'est super bon, là. Ouais, je veux dire, ouais. Moi, je vais peut-être recycler mais ça. Mais ça se peut que... Ouais, mais, ouais. Ça, mais je le sais, mais je suis conscient en même temps que des fois, ça va peut-être décevoir du monde. Tu sais, il y a peut-être du monde qui vont me demander des trucs, puis je vais me dire, ça va-tu faire ma vie meilleure à moi, tu sais? C'est certain que rendre service à quelqu'un, ça fait ma vie meilleure. Rendre oui. un bon service à quelqu'un, quelqu'un me demande de quoi, mais si, admettons, ça me rend pas plus heureux, puis ça me rend pas, si, admettons, ben ça se peut que je dise non à des trucs. Ça se peut que je refuse des affaires. Non. Je pense que oui. Je pense que oui, tu sais. Ben oui, c'est correct de dire non. Je pense que oui, parce que des fois, je dis pas non, je dis oui, puis en fin de compte, ça me tente pas en tout. Puis je fais comme... Puis je le fais reculons, puis là, je fais une mauvaise job, puis après ça, les gens sont déçus, tu sais. Fait que c'est pour ça que, admettons, mon art, j'ai décidé mon art à cette heure. Quand que je fais du dessin ou de l'illustration ou de la vidéographie ou des affaires de même, ça, c'est une partie de ma vie que je considère qui est mon art. J'ai mon métier qui est monteur post-production. Je réalise aussi des podcasts. Ça, je suis capable de le faire. Des podcasts de petite envergure. Ça, je le fais. Je suis capable de faire. Ça, c'est mon métier. Mais après ça, le reste, c'est mon art. Puis ça, j'ai décidé que je le ferais plus pour personne. Je le fais, tu sais, si on me demande de quoi, non. Mais, par exemple, quand je fais de quoi, si tu as le goût de l'acheter, il est disponible, tu vas pouvoir l'acheter. Fait qu'à cette heure, je fais les choses pour moi. C'est bien, ça en est de l'égoïsme, mais en même temps, c'est parce que je veux rendre ma vie meilleure. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu sais... Ça doit être dur, créer, tu sais, puis sur l'idée de quelqu'un d'autre. En théorie, non. C'est-à-dire qu'il y a bien du monde, admettons, qui vont faire « Hey, tu me ferais-tu une toile? » Puis là, je fais « Ouais, OK, ben envoie-moi ton idée. » Puis là, des fois, son idée est bonne. Puis là, ils disent tout ça. Puis ça, t'as sûrement vécu ça dans ta vie. Tout le monde te donne carte blanche jusqu'à temps que là, d'un coup, « Ouais, mais OK, mais... » Puis là, d'un coup, elle n'est plus si blanche que ça, la carte. Puis là, d'un coup, ils commencent à avoir des exigences. Si tu me donnes carte blanche, je vais commencer le projet, puis je vais le finir à ma manière. Mais
Mais tu sais, si tes idées, si tu commences à interjeter des idées là-dedans qui me plaisent moins puis qui rendent le projet moins sexy, ben là, je suis plus bon. Puis je vais finir que je vais faire un produit que toi, tu seras pas satisfait, que moi, j'aurais pas aimé faire, puis que donc je serais pas fier, tu sais. Fait que, ouais, je comprends. Ouais. Mais les tatoueurs, tu sais, ils deal avec ça pas mal. J'ai beaucoup d'amis tatoueurs, puis c'est pour ça qu'ils donnent les dessins à dernière minute. Parce que, tu sais, quand ils les donnaient avant, plus tôt, tu sais, genre une couple de jours avant, mais là, ils montent au beau-frère, puis là, ils montent, tu sais, à ma tante Janine, puis un tel. Puis là, tu peux-tu changer ça, puis ça finit plus, puis ça finit plus. Ah non! Ouais. Écoute, moi, les derniers tatouages que là, je me fais tatouer aussi samedi, puis je me suis fait tatouer par Tatouage Prestige, Chloé, qui m'a tatoué la dernière fois. Puis j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Tu vas me faire un petit tatouage, telle grosseur, qui fait penser à moi. Qu'est-ce que tu veux? Wow! C'est l'idée du tatoueur. Ce que tu as sur toi, ça va être l'idée du tatoueur. Oui. Mais qui te représente, toi. Oui. C'est fun. Ça doit être le fun pour un tatoueur. Il doit être capoté. Ben, il trouve ça bizarre pas mal, tu sais. Ben, c'est comme je te disais, fais-moi une toile, mais une toile qui fait penser à moi. OK. Fait que tu fais n'importe quoi. Je m'en fous. Faut juste que ça l'aille, tu sais. Faut que ton inspiration soit moi. Ça, j'aime l'exercice, mais je le trouve périlleux. J'ai peur. J'aurais peur de te décevoir. Si admettons, tu me disais ça, tu me disais, fais une toile. Oui. Ouais. Mais comment tu peux décevoir la personne qui t'a choisi? Ben, c'est parce que la personne, souvent, a dit ça, a dit je te donne carte blanche ou fais ce que tu veux. Mais en fin de compte, la personne, je m'aperçois qu'elle a tout le temps une idée préconçue quand même de ce qu'elle aurait aimé. Ouais. Tu sais, souvent, elle t'a demandé ça parce qu'elle a vu quelque chose d'autre qu'elle a aimé, puis elle fait comme ah ouais, je vais demander une toi. Tu sais, ou bien ils ont vu autre chose que t'as fait. Puis là, en fin de compte, tabarnouche, ça ressemble pas à ce qu'il a fait précédemment. Fait que là, je sais pas si tu comprends, c'est périlleux, ouais. Là, tu sais. C'est-tu quoi? Et en plus, j'en ai une toile. J'ai beaucoup de toiles chez nous. Puis Jonathan Roy, qui est un porn star, son nom de John Perignon. Tu sais pas okay. Si tu l'as reçu au... Non, j'étais supposé recevoir un autre Jonathan Roy. Puis en fin de compte, ça a un peu tourné au vinaigre, mon enfant. Ça a pas marché. Ouais. Mais je pense que je sais de qui ouais, tu parles. Oui, John Perignon, c'est comme le porn star. Comme, il est plus gras que les autres. Vraiment comme. Ouais, c'est John. Puis il est vraiment super cool. Puis c'est un super artiste. Puis il m'a fait justement une toile pour moi. J'ai rien demandé. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Chez nous, là, j'ai les murs complets de toiles. Complet de haut en bas. Ah ouais. Ouais. Wow, ouais. Fait que t'aimes l'art graphique. Ça te tente pas d'essayer? Non! J'ai pas de talent pour ça. Non, mais je suis bonne en décoration. Fait que chez nous, c'est décoré à mon goût. Quand tu rentres chez nous, c'est chez nous, là. Quand tu rentres chez nous, c'est beaucoup de motifs. C'est beaucoup. Autant c'est minimaliste en étant. C'est. Beaucoup. Tangerine, je te jure, ça prend pas du talent faire des belles toiles. Je te jure. Tu vas voir 2-3 DIY sur YouTube, là. Tu vas faire ces dons. Ben, le fun, c'est le procédé qui est le fun. C'est ben pas... oui, ça, puis je vais être docteur cardiologue bientôt avec YouTube. Non, mais ça... avec YouTube. Mais je te jure, faire de l'art, là, c'est tellement le fun, puis c'est pas compliqué. Puis je comprends pas pourquoi que les gens... Tu sais, c'est devenu quelque chose de spéculatif, mais si on garde ça à petite échelle, là, quand t'es un artiste, puis que tu te soucies pas d'essayer de vendre tes toiles, puis d'essayer d'en vivre, c'est tellement le fun, c'est libérateur, puis c'est pas vrai que ça prend tant de talent que ça. Tu sais, achète-toi des petites toiles, un petit kit d'acrylique, puis essaye des affaires, puis tu vas triper. Je le fais avec ma fille, là. Je le fais avec ma fille, c'est sûr. Ben oui, on s'amuse beaucoup à faire des toiles, des choses comme ça, mais il n'y en a pas vraiment là, que j'ai mis sur le mur. Mais les siennes, oui, j'en ai mis des siennes. J'ai mis des siennes. Mais elle avait été artiste maquilleuse. Hey, je te dis, là, wow. Elle maquille super bien, là, mais à cette heure, là, il trippe toutes ses foras, là.
Ouais. Wow. Hey. Ça, c'est fort. T'as une fille, toi aussi. Ouais, j'ai deux filles. J'en ai une qui est bien là-dedans. L'autre, elle se maquille moins. L'autre, elle est un peu plus Cindy Lauper. Tu sais, du linge de gars, des affaires dépareillées. Tu vois qu'elle veut montrer un petit côté punk, un petit côté rebelle. Fait qu'elle n'est pas tant dans le maquillage, mais ma plus vieille, elle, est là-dedans. Là. Tu sais, le maquillage, les marques. Elle a même son petit frigidaire pour mettre ses produits maquillants et toute la kit. Ouais, c'est ça. Je vois. je vois dans quoi t'es embarqué. Mais chanceux, tu sais, ils sont pas de troubles pantoute, mais ils sont là. Quel âge? J'en ai une qui a 22 ans, puis l'autre, elle a. Attends un peu. J'en ai une qui a 21 ans, puis l'autre, elle a 17 ans. Oh! Ouais. C'est bien, ça? Ouais. C'est ton homme, là. Oui, j'en ai une qui est en train de suivre son permis. L'autre, elle a son auto, puis tout. Sont vraiment. Puis je suis chanceux parce que. J'ai vraiment des bonnes filles. Sont indépendantes, sont autonomes. J'ai pas à leur. C'est eux autres qui me crient après parce que je défais le ménage. Je sais pas si tu comprends, là. Tu sais, c'est le genre de filles qui font des. Tu sais, qui passe la mop à toutes les semaines, puis toute la patente, puis tu sais, une routine, puis sont à leur affaire. Puis je suis tellement content parce que je suis tellement tout l'opposé de ça. Je suis un artiste, je suis sketchy, c'est un peu à l'envers. Tu sais, j'essaie de garder de l'ordre, mais j'ai pas d'ordre dans ma tête, j'ai pas d'ordre dans mes papiers, j'ai pas d'ordre dans rien. Mes autres, ils ont tout eu ça de leur mère, puis je suis tellement content parce que hostie, que j'en ai souffert toute ma vie de ça quand même. Là, tu sais, quand t'es sketchy comme moi, là, c'est une affaire. T'es-tu de même un peu? T'es-tu cartésienne? Tes choses sont-tu. T'es-tu. Non? Non? Non. Non? Non. Fait que c'est. Non. Non, vraiment, là. Mes dossiers, là, c'est pas. Non, c'est pas ce qu'il y a plus d'organiser. Non, c'est bien poche. C'est bien poche pour ça. Fait que t'espères tout le temps qu'il n'y ait pas trop de problèmes parce que tu te dis, bon, OK, ouais, OK, là, faudrait que je trouve ce papier-là. Ah oui. Ben, c'est comme moi. Je mets ça d'une boîte, puis là, après ça, j'ai 15 boîtes. Je sais plus qu'est-ce qui est où. Puis, comment tu fais pour tout trier ça? Comment? Puis avec les courriels à Star, hey, tu reçois des factures par courriel, tu reçois des. Ouais. Hey, tout mélangé, là, je t'ai dit, là. Oh, ouais, c'est fourrette. Moi, ça commence tout le temps avec des bonnes intentions. Je fais un ménage de tous mes papiers, je jette tout ce qui n'est pas important, je garde ce qui est important, je le mets d'une boîte. Puis après ça, je me dis, là, je mets des séparateurs, puis là, je fais comme. Désormais, ça va fonctionner de même. Puis là, mettons, j'arrive de la post-office, puis là, je crée mes lettres sur le comptoir, puis là, ça s'accumule là. Puis là, tranquillement, pas vite, ça s'accumule. Là, ça devient une hostie de pyramide. T'as même pas idée. Puis là, c'est comme. Puis là, j'ai une pyramide de choses que j'ose pas ouvrir parce que là, évidemment, j'ai du retard dans. Oh. Fait que là, je m'embourbe dans des problèmes. Puis c'est juste un problème d'organisation. Non, mais ça, par exemple, là-dessus, sur les comptes, ça, je suis bon. Parce que je reçois le compte, je le paye là. Pas demain. Ah non, mais je fais pareil. Ouais. Hey, je fais pareil parce que sinon, je le. Puis il faut. Si, admettons, je le vois. Tellement, je suis tellement comme ça, là, Tangerine. Si, admettons, là, je me lève dans la nuit pour aller faire pipi, j'ouvre mon téléphone, je vois un courriel, facture, admettons, de Vidéotron, faut que je le paye là. Je le paye direct là, pendant la nuit. Parce que sinon, le lendemain matin, tu s'est rajouté plein de courriels par-dessus, je le vois plus, puis il est disparu de ma tête. Ouais, ben c'est ça. Moi, les clients des tatouages, c'est ça. Durant la nuit, là, j'ouvre. T'as-tu quelqu'un. Ton chum, il est-tu plus cartésien? Est-ce qu'il y a un équilibre? Non, lui, mon chum, là, lui, là, il travaille. Il travaille, mais il est pas là-dedans, les paperasses. Il travaille, c'est tout. Il fait pas de ménage, il fait pas de bouffe, il fait pas de papier, il fait pas. Il travaille. Il travaille beaucoup, quoi? Oui, mais il travaille. Il travaille comme tout le monde. Il travaille, okay. Mais c'est notre entente. On a chacun nos jobs. Chacun nos jobs dans. Tu sais, comme je veux dire, je fais pas pitié, là. Ouais. Je suis meilleur à faire de la bouffe. Fait qu'on va régler ça de même. Fait que c'est un peu. C'est le modèle traditionnel.
Oui, oui, exactement. C'est le modèle traditionnel. Puis moi, je suis correct avec ça. Lui, il s'occupe dehors, mais c'est de même là, dans mon quartier. Tous les gars sont dehors. C'est tous les autres les mêmes mères. OK. C'est eux autres qui passent le, qui tondent le gazon. Qui, ça, ben oui, ils passent la balayeuse sur l'asphalte. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, ça. T'arrives à 50 ans, là. Ouais. Mais moi, en plus, moi, chez nous, on a du gazon synthétique. Parce que, tu sais, moi, gazon, là, ça, je détestais ça, là. Du gazon, mettons, comme les stades de baseball, là? Ouais, du gazon synthétique, là. Du beau gazon synthétique, là. Ça a l'air du gazon, mais c'est pas du gazon. Pour vrai? Ben oui! Hein? Ben oui! Mais c'est-tu... C'est parce qu'il y en a du cheap, là. Tu sais, il y a le vieux... Ben non, c'est pas du même, là. Quand même. Non, mais tu sais, nous autres, on a beaucoup d'arbres en arrière de la maison. Puis, il y avait toujours de l'ombre. Fait qu'à toutes les années, il fallait que je sème, que je mette, de la terre, que je sème. Puis là, les chiens dehors, là, tu sais, c'est pas un gros chien, là. Ben, avant, j'en avais deux petits, mais tu sais, là, j'en ai un pareil. Mais tu sais, il sort dehors, il revient plein de terre. Oh. Là, faut que tu bloques ça. T'attends trois semaines avant que ça pousse. Là, tu sèmes tout le temps. Wow. Là, faut que tu passes la tondeuse. C'est pas pire. J'avais mon voisin, petite frère, il faisait ça pour pas trop cher. Correct. Mais, tu sais, fallait que j'enlève les mauvaises herbes, si ça. Puis, à toutes les fois que j'allais dehors, j'étais comme, faut que. Fait que, tu sais, j'étais pas capable de relaxer. Puis là, un moment donné, on a dit, bon, OK, on va mettre de la tourbe. Fait que là, on commence à checker ça. On est comme, oh my God, pas donné de la tourbe. Non, t'sais, c'est pas si donné pas, que ça. Non, pas donné de la tourbe. Fait que, là, on pense à ça. Là, je dis, Kim, moi, j'aimerais ça du gazon synthétique. Tu sais, j'ai pas un super gros terrain. Mais le terrain que j'ai, je l'ai, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, il faut l'entretenir. Là, j'étais comme, bon, on a fait la terrasse majoritairement le terrain. Fait que, tu sais, le restant, c'était comme, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Faut que ce soit vert pareil, là. Ouais. Là, la ville, elle me dit, ah, tu pourrais mettre telle affaire. T'as dit, comme, ben oui, je vais marcher sur des plantes. Tu sais? Non. Elle dit, ça va rester vert. Ben oui, mais c'est inconfortable pour les pieds, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai fait venir des compagnies pour le gazon synthétique. C'est vraiment cher. Là. Mais là, j'ai dit, mon ex, il est paysagiste, puis il a déjà posé du tapis. Mais en fait, maintenant, il pose du tapis, puis il a déjà été paysagiste. Fait que là, j'ai dit, crème, si tu mets les deux ensemble, il me semble que ça fait du temps. Fait que là, je l'appelle, je dis, hey, ça te tente-tu de m'aider? Fait que là, ben oui. Fait que là, on a passé la fin de semaine. Moi, j'adore pelleter de la roche, là. Je tripe là-dessus au bout. Ah ouais? Ouais, j'adore. Fait que tu travailles physique beaucoup. Non, mais j'aime vraiment ça. Moi, j'aime m'entraîner, puis j'aime pelleter de la roche. C'est dur. Okay. C'est dur sur le corps. J'aime vraiment ça. Puis c'est mon paquet de roches. Touche-y pas. C'est à moi. Je suis la reine de la montagne de roches. Touche à mes roches. T'as affaire à moi. Fait que, tu sais, j'ai pelleté la roche. Lui, il a tout bien égalisé, tout le kit. Après ça, on a mis le tapis. C'est le même. Ça fait 6 ans. Depuis ce temps-là, pas rien à faire. Mais mon chum passe la balayeuse dessus 2 fois par année. Fait que, tu sais, ben, des fois un petit peu plus. Fait que là, je ris beaucoup de lui avec la balayeuse. Mais il n'y a pas le choix parce qu'on a plein d'arbres, tu sais, puis il y a tous des petits, tu sais, des petits gogosses. Fait que là, tu sais, il passe la balayeuse. Puis en étant du gazon synthétique, ben, ça rentre pas dans le sol, puis ça composte pas avec le sol. Ben, ça pourrait, mais tu sais, je veux dire, on a plein d'affaires, tu sais, on a des petites boules, on a des hêtres, ouais. on a plein de choses qui tombe, il y a tout le temps de quoi qui tombe d'un arbre. Ouais. Fait que c'est inconfortable avec les petites boules, là, les petites boules dures. C'est inconfortable pour le pied. Fait que, tu sais, il va passer la balayeuse, mais à toutes les fois, je prends des photos, j'envoie ça à mes chums de filles. Ils trouvent ça bien drôle. Mon chum. Il dit, bon, d'où qu'il est rendu vieux, hein? C'est ça qui se passe en 50. Tangerine, c'est quoi qu'on te souhaite pour le. C'est quoi qui s'en vient? Puis c'est quoi qu'on te souhaite, mettons, pour ce qui s'en vient? Ben là, il faut juste écouter le podcast, le monde de le Tangerine. Le podcast, on va plugger ça. Le monde de Tangerine, t'as aussi ton OF avec, dans lequel tu fais des trucs, là, Le podcast, Oui, dans le podcast, le monde de Tangerine, on a accès. C'est comme je veux dire, je vais vous expliquer tout ce qui se passe partout. Mais le monde de Tangerine sur tous les réseaux. Spotify, Apple Music, etc., ainsi que YouTube et, bien sûr,
mon Patreon, Le Monde de Ted Green. Ben oui. Encouragez-moi, ça ben va. Oui. Ça l'aide les artistes du Québec. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup, Ted Green. C'était vraiment cool. Je savais qu'on aurait tout un récit de vie avec toi. Ouais. T'en as vécu des affaires quand même. Je t'attendais pas à ça pareil. Hein? Hein? Je pense pas que tu savais. Tu me connaissais-tu un peu, pas mal? Oui, un peu. Un peu quand même. Un peu quand même. Parce que j'ai demandé à un ami qui me dise un peu, ben, qui m'en dise un peu, là, tu sais, là, parce que je savais. Je savais que tu avais fait des films, je savais que tu avais été danseuse, mais je savais pas jusqu'à. Ouais. Je savais pas tous les détails de ça. Mais je m'attendais un peu, oui, oui. Mais, puis je le regarde une fois de temps en temps, ton podcast. J'aime bien ben ça. J'aime bien ben ça, regarder ça. Cool. T'as des bons invités, j'ai bien aimé. Ben, j'ai, Danick, ouais. J'ai bien aimé V-Way. J'ai mon amie Amélie Plante aussi qui est passée, qui a été oui, super. Oui, oui. Oui, justement, elle commence une chronique dans mes podcasts live. Ah, oh, wow. Ça ouais, va être cool, elle voulait. Ça. Elle voulait j'aime ça, des gens motivés. Ouais, ouais, exact. Fait que je suis comme, go, la plateforme est pour toi. Bon, ben, allez visiter ça. Merci, Tangerine. Puis nous merci autres, ben, on se revoit en février. J'ai pas de Daily Buffer podcast officiel qui s'enregistre avant février. Je veux me concentrer sur notre tournée européenne pour sous-écoute. Mais quand même, je vais enregistrer des streams, je vais faire des live random. Puis si je fais un Daily Buffer podcast, ça va être quelque chose qu'on va avoir décidé à dernière minute le matin même. Fait que, mais pour l'instant, c'est ça. Le Patreon va être rempli surtout de. Va être fourni et enrichi par des streams puis des petits lives random, des petits TikTok shows. Bye tout le monde, bye Tangerine!